Claudie et Joël Poirier. Madame et monsieur Claudie et Joël Poirier, dans le bon ordre. Les lots 16 et 30 repassent justement après ce numéro 75. Ah, après le numéro 75, le 16 et le 30 vont repasser. Alors attention, hein, le 16 et le 30 vont repasser après le 75. Faut l'enchère. J'espère que ça ne va pas tout faire péter dans nos trucs automatiques. Mais pour l'instant, le 75. Ah, on en parlait du 75. Le voilà. Saint-Dessin. Combien veut-on ici pour débuter? Allons-y, 2000 qui a 2000, de loin, 2000 pour débuter. Allons-y, 2000, 2000, voulez-vous à 2000, 2000, 1000 euros. 1000, on commence déjà toujours très bas. 1000 euros, mettez vos enchères. Bah Arnaud, Bertrand Le Métayer a acheté ce gré de journée, cette fille de gré de journée pour 9000 euros. Ah donc, c'est pour ça qu'il était là, ouais. 1000 pour débuter très bas, mesdames et messieurs, 1 million. Prenons 1 million euros qui est 1 million euros, donnez 1000 pour débuter très bas. 1 million euros, la fille de Saint-Dessin, 1 million euros. Tout bon, Saint-Dessin, 1 million euros, voulez-vous? 1 million pour débuter très très bas. Prenons s'il vous plaît, enchaînez, mesdames et messieurs. Personne à 1000 euros. Pour une toute belle police, ici, très bien. Tant pour une Saint-Dessin. Pas cher, à droite l'enchère. 1000 nous sommes dans 1000, 1000 nous sommes, 1 million. Patrick Joubert qui est venu autour du ring pour voir la vente. 2000 enchères, 1500, ok, 1500, ok. 1500 nous sommes dans 1500, 1500 qui pleut, voilà. 1500, vous avez mis que ça là. 1500, remettez-en une, 1500, 1500, 1500, mon enchère maintenant. 1500, il faut trancher à Laetitia, 1500, 1500 en face. 1500, 1500 enchères maintenant, 1500 qui, 1500, remettez-en une, 2000 enchères. Et 500. À 2000 en chemin, 2000, vous voulez pas mettre 500, monsieur. À 2000 en chemin, 2500 Laetitia. À 2500 l'enchère ou pas. À 2500 l'enchère ici, à 2500 par Laetitia. À 2500 l'enchère maintenant, c'est votre enchère. À c'est votre enchère, Laetitia, c'est contre vous en face. 3000 en chemin maintenant, 3000. À 3000, nous sommes dans 3000. En face, l'enchère. À 3000, nous sommes dans 3000. À 3000 l'enchère, à 3000, la fille de 5500. 3500, plus vous là. À 3500, à gauche, l'enchère maintenant, 3500. À 3500, 4000 enchères ici en face. À 4000 enchères. Une jolie tête, Camille 500, 5000, voulez-vous? 5000 enchères, 5000, mon enchère, toujours maintenant à 5000. À 5000, 5000 enchères maintenant à 5000, plus vous là, Laetitia, c'est mon enchère, contre vous, mon enchère en face. À 5000, le 5, méfiez-vous, c'est mon enchère, ok? En face, plus vous à gauche là. À 5000 enchères maintenant à 5000, vous voulez même à 500? À 5000, le 5, 5000. Pouliche, elle est grande ici, elle s'en avec beaucoup de. Alors, ticket holder, donc le 75. Alors, on vous rappelle que. Alors, quand j'allais dire que j'espère que ça n'allait pas tout faire casser. Dans notre machine moderne. Ben en fait, si, parce que le fait qu'il y ait une folle enchère et donc le 16 repasse après, eh ben, il s'est affiché d'entrée de jeu. Donc ne vous fiez pas à ce qui est marqué en haut à droite. Le lot 16, c'est le lot suivant, par la folle enchère. 7000, nous sommes maintenant à 7000 ans là. À 7000, nous sommes maintenant à 7000, mon enchère en face. À 7000, rien à droite, pas Guy maintenant. À 7000, l'un et l'autre, Guy, Laetitia. C'est mon enchère en face. À 7000, plus vous là, l'or là. À 7000, nous sommes maintenant à 7000, contre vous, l'or là. À 7000, le marteau se lève. À 7500, voulez-vous, contre vous là. À 7000, nous sommes de la foi, de la chance. Le marteau va tomber. Merci en face, monsieur 7000, assis. Merci, monsieur 7000. Voilà, nous repassons sous folle enchère le numéro 16 du catalogue. Donc le voilà ce numéro 16. Par l'élevage des sources. Il s'agit d'une pouliche grise née le 18 avril, nommée Dora des sources. Elle est par Indienne d'Afodil et Sloane des Ongrais, elle-même par Louveteau. A noter que dans la deuxième mère, Vaudou des Ongrais est gagnante depuis l'apparition du catalogue et placée. Elle est gagnante notamment du prix Erwin, course D à Longchamp, et totalise un total de gains de 33 100 euros. Dans le pedigree Kids Med et mère de Lynn des Ongrais qui est à l'entraînement. C'est la nièce de King of Boxmire. A une place de plus, elle est quatrième du prix Le Fabuleux à Maison. Tout à l'heure, elle était passée, le marteau était tombé à 1500 ou 2000 euros. À 1500. 1500. Force à l'arrière, mesdames et messieurs, la mère est vainqueur, elle est gagnante. Oui, elle est sœur de King of Boxmire, bonne suche femelle de Capital Camelata. Capitole, combien aussi quand fait-on pour le début débat? Allons-y, 2000 qui a 2000. Une famille des K allemandes, celle de Capitole, la mère de Kamsin d'ailleurs, et de Capitale. Kamsin, sa fille de Samoum. Samoum est allé en France le prochain. Et Capital, une fille de du. Bah oui, je crois. Bien. À 1000, toutes les bandes d'après s'élèvent. 1000 euros, volez-vous maintenant. 1000 pour débattre. À gauche, l'enchère, c'est de l'enchère, c'est sûr. Pas d'horreur. 1000 à gauche, l'enchère. À 1000, bravo, Laura. À 1000, nous sommes dans 1000. À 1000, l'enchère maintenant. 1000. À 1000 sur le marché. À 1000 euros. À 1000, nous sommes dans 1000 euros. À 1000, on le suivant, s'il vous plaît. À 1000 euros. 1000 euros, elle est très bien née. À 1000, la mère et soeur de King of Boxer. À 1000
euros maintenant, box 1000 à 1000, à 1000, 1000, une seule enchère à 1000 euros, à 1000, nous sommes dans 1000, à 1000, jolie pouliche, à 1000, bien profonde ici à 1000, à 1000, poudée à 1000, nous sommes dans 1000, 500, 1500, 1500, l'enchère maintenant, 1500, à 2500, 2000, 2000, l'enchère, à 2000, nous sommes dans 2000, 2000, vous ne voulez pas mettre 500 encore maintenant, à 2000, l'enchère de gauche ici à 2000, à 2000, je vous entends plus là, monsieur, à 2000, à 5, 2500, l'enchère, à 2500, 2500, 2500, 10. Alors, ben finalement, elle a bien fait de repasser, hein, puisqu'on est à 2500 euros désormais. Alors, je vous signale que je ne vais pas encore signaler que nous avons une vue extérieure désormais, puisque vous pouvez cliquer sur la vue extérieure et vous allez découvrir sur la vue extérieure, donc vous allez découvrir une caméra qui est placée à l'extérieur du ring. Merci beaucoup. Et voilà, ça marche. 2500 euros. Donc, du coup, il va se passer quoi? On va passer le 30. Nous repassons le numéro 30, donc qui est présenté par le haras d'Aigues-Mortes, appartenant à Florian Robert, Perla Duciard, Pouliche B foncé, né le 25 avril, par Great Journey et Wicca, Feed the Invincible Spirit. Cette pouliche est vendue sans TVA. Action fluide, Nétard, elle est née le fin d'avril, la pouliche là, la fille de Great Journey. La mère était troisième, à Maison Lafitte. La grand-mère gagne six fois, l'arrière-grand-mère six fois aussi. Combien faut-on ici pour diviser 1000 euros, 1000, 1000, mettez vos enchères. 1 million, 1 000 pour diviser très très bas. 1 000, mettez vos enchères s'il vous plaît. 1 000, la petite fille de l'excellent Sunday Silence. 1 000, 1000, 1000, mettez vos enchères s'il vous plaît. 1 000, l'enchère là-bas, monsieur. Alors, on a bel et bien la deuxième folle enchère, le numéro 30. Alors là, ne vous mélangez pas les crayons, hein. On a bien le numéro 30. On revient revenu un peu en arrière. 1 million, ça met dans 1000, mettez vos enchères. Donc, le 30, le 30, le 30. Perla du CIA, présenté par Laura Aigues-Mortes. La Grette Journet. C'est légère dans son modèle. Très bas, la petite poche famille de Your Place and Mine. À 1000, 1000, pour diviser très très bas, à 1000. À 1000, mettez vos enchères, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On attend dans les enchères. À 1000 euros, voulez-vous? À 1000 pour diviser bas. À 1000, c'est bien vu. À 1000. Personne qui ouvre l'enchère. 1000. Bon, il n'y a pas d'enchère? Mettez vos enchères, s'il vous plaît. À 1000. 1000 enchères. 1000 pour débuter. Non? Non, il n'y a pas d'enchère? À 1000 euros. Bon, eh ben on est passé de folle enchère à pas d'enchère. Le numéro 76 est présenté par... Donc on va reprendre le cours du catalogue normal avec le numéro 76 présenté par Laura Desbrousse, donc une fille de Heliostatic et Genuine True par Yes It's True, on a une souche américaine. La mère Genuine True, gagnante de deuxième, pardon, de l'Easted aux États-Unis. Est une sœur de Shotgun Favorite, c'est un truc dangereux. Ça. C'est la famille aussi de Green Money. Chevaux de groupe 1 au Pérou. Alors là, c'est très exotique hein, dans cette souche parce que on a des chevaux qui nous viennent des États-Unis, du Pérou. À 3000, qui lui 3, 3000 euros maintenant, qui lui 2000, 1000, 1000 si vous voulez. À 1000 euros qui démarre, les enchères de 1000 euros, 1000 euros qui débute, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, la petite fille de Gaillot, j'ai maintenant 1000 euros. À 1000 euros, une seule enchère de 1000 euros. À 1000 euros, 1000 euros maintenant, 1000 euros, j'ai maintenant 1500 si vous voulez. À 1000 euros, à 1000 euros, la petite fille de Galiléo, 1000 euros, 1000 euros. À 1000 euros, c'est bien vu, 1000 euros, une seule enchère. À 1000 euros, à 1000 euros, à 1000 euros, la fille de Heliostatic a déjà produit Sirius ici. À 1200 places de groupe 3, 2000, 2000 euros. À 2000 euros, je dis maintenant 2000 euros, à 2000 euros, 3, 3, maintenant 3000, 3000 euros, j'ai maintenant 3000 euros, bien vu, 3000 euros, l'enchère est à droite, allez, vu, à 3000 euros, allez-y, à 3000 euros, c'est à 3000 euros, à 3000 euros, Laura, je vous entends plus, j'ai 3000 à droite, maintenant, à 3000 euros, la mère, 5 victoires, blague. Elle ressemble beaucoup à son père, cette fille d'Heliostatic. La même chose, la petite fille. Celle qui a fait la montre pendant 2 ans au haras d'Aigues-Mortes avant de repartir en Irlande. L'enchère est à droite, c'est pas l'erreur, maintenant que 500 liés. À 3500 euros, on y revient avec Laura à droite gauche. À 3500 euros, à 3500 euros, qui connaît 4, si vous voulez. À 3500 euros, l'enchère à gauche. À 3500 euros, allez-y, Sylvain, 4000 pour la prendre. À 3500 euros, le marteau va se lever alors. À 3500 euros, bien vu. À 3500 euros, c'est là. À 3500 euros, pas de regret nulle part, l'enchère à gauche, plus vous à droite. À 3500 euros, la petite fille de Galiléo avec une mère Lactac. 4000. 4000, on y revient maintenant. 4000 euros. À 4000 euros, Sylvain, allez-y, 5, si vous voulez, 5. Maintenant, j'ai 4000 euros à gauche. À 4000 euros, 500 pour la prendre. À 4000 euros. À 4000 euros, la fille Heliostatic. À 4000, 4000 euros. À 4000 euros, Heliostatic fait les vainqueurs. Hein. Bon pédigré ici. À 4000 euros, c'est bien vu, pas l'erreur. 500 si vous voulez. À 4000 euros, l'enchère est à gauche pour vous, Laura. À 4000 euros, pas d'erreur à droite. À 4000 euros, le marteau va se lever. Alors, fini à droite. À 4000 euros.
5 000 euros. Ah, 5 000, 4 500, ok, 4 500, 4 500 euros mélangé, 4 500 ici et 5 000 tourons. À 4 500 euros, l'enchère était repartie à droite. À 4 500 euros, plus vous l'aura. À 4 500 ici et 5 000, tout de suite le marteau va se lever. Alors, à 4 500 euros, c'est bien vu. À 4 500 euros, la petite fille de Galileo avec une mère Blight Tack. À 4 500 euros, le marteau se lève, plus vous l'aura. À 4 500 euros, l'enchère à droite. À 4 500. On a le juge, 4 500. Sylvain, votre enchère, merci. Le numéro 77 est présenté par le haras de la Sansonnière, Primrose Soem, Polish Bay, né le 21 mars par Confucius et Good Chocolate, fille de Férouz. A noter que son frère compte une place supplémentaire. Cette pouliche est vendue pour 50% sans TVA. Tu fais le Cape Cross ici, Confucius, on vous... Vitesse. Et c'est... Pro Black Type, vitesse sur vitesse ici, avec une marque qui a déjà fait un vainqueur. Ah, j'ai pas eu le temps de voir, il est tout à fait de l'autre côté, qui a signé le bulletin à 4 500 euros pour le lot numéro 77. Plus une place et plus de 17 000 euros de gain. Non, 76, pardon, la héliostatique. Maintenant, on passe, ah, tiens, on passe à un étalon, alors fort méconnu, Confucius, qui nous présente ses premiers 2 ans. Confucius, qui a été le premier fils de Cape Cross à faire la monte à l'époque au haras de La Forêt, un haras qui a arrêté ses activités à Bourgneuf-la-Forêt en Mayenne, dirigé par Patricia et Jemuel Vittori. Jemuel Vittori, qu'on va retrouver un petit peu plus tard en vendant des juments. Alors, Confucius, il est parti, on ne sait trop où. La mère Good Chocolate a gagné Listed. À 1000 euros, 2000. Et elle nous présente ici son... 2000 euros, à 2000 euros, à 3000 euros. Sixième produit, elle a déjà un vainqueur, Sugar Soem, un fils de Great Exhibition, qui a gagné cette année, à 4. French Wheeler, 4000. Et demain, il y aura la 2 ans, par, le 2 ans, pardon, par Air Chief Marshall, qui sera présenté avec le lot numéro 188. Confucius était un sprinter, donc je vous disais, le premier fils de Cape Cross à faire la monte en France, Cape Cross, sur le père de Six Stars. Sprinter Confucius, double gagnant de groupe sur 12 et 1400 mètres. Les Killavulent Stakes en Irlande et les Tip Chase Stakes en Irlande aussi. Essayez 500 tout de suite. À 4000 euros, le marteau va se lever. À 4000 euros, c'est bien vu, essayez 500. 500, à 4000 euros, 500, si vous voulez l'emmener. À 4500, bien sûr, maintenant 5, si vous voulez 5. À 4500 ici, bien vu, 5000, si vous voulez 5000 euros. À 4500, l'enchère est à droite, c'est pas l'erreur. À 4500 euros. Regardez comme elle se déplace très très bien dans sa tête. Bonne polish ici. À 4500 euros, vitesse, précocité. À 4500, à 4500, j'ai maintenant 5000, 5000 euros. À 5000 euros, bien vu, 5000, 5000 euros, l'enchère en fond. Ah, 5000 euros l'enchère en face de nous, 5000 euros. Belle tête, good head now. À 5000 euros, bien vu. À 5000 euros, c'est bien vu. Le marteau va se lever, plus vous, Sylvain. À 5000 euros, pas d'erreur. À 5000 euros, bien vu. Notre enchère, ni vous à gauche, en face, plus à droite. À 5000 euros. On a le juge, 5000. Monsieur Conmarnan, merci beaucoup. Ah, c'est Conmarnan qui a acheté. Et oui, effectivement, on le voit là-bas, Conmarnan. Par le haras d'Aigues-Mortes. On va le voir, parce que je crois que Anne-Lise est sur le coup. Conmarnan, alors lui, il fait toutes les ventes. Conmarnan, il était juste dans l'axe d'analyse avec son blouson jaune. La fille, donc de Vertigineux, la mère chargée d'affaires. Seulement quatrième produit de la mère ici, la famille Darling Story, Gate. Un croisement qui marche, Gate, nombre premier, même croisement, Vertigineux. Un rouquin. Famille, très bonne famille de GMX. On le verra tout à l'heure. Alors, une pouliche de Vertigineux qui s'appelle Gape des Prés, présentée par le rat d'Aigues-Mortes. Jolie pouliche, jolie pouliche. Alors, Vertigineux, c'est un étalon qui a fait ses, qui a eu ses premiers 2 ans cette année. Qui débute 3 à 3 000 euros. Gagnant. 1000 euros. C'est, ah, ça, c'est la souche de GMX. GMX qui sera étalon en France, mais on ne sait pas encore où. GMX, puisqu'il est mâle, hein. C'est très rare de voir des mâles à Auteuil, a fortiori des mâles gagnants de groupe 1. 1000 euros, qui lui 2000 si vous voulez. Et 1000 euros maintenant, une seule enchère de 1000 euros, Sylvain, votre enchère. À 1000 euros seulement. Chic pouliche avec des. C'est la famille de Darling Story, Gat, Gomilor, outre GMX. Très belle souche, et pourtant le prix ne demande pas. La mère est par chargée d'affaires, qui a des, un étalon stérile, mais remarquable. Le voilà, on le voit ici, comment il s'appelle, Conmarnan, qui est en train de signer le bulletin précédent à 5000 euros. Un Irlandais, Bancher House Todd, qui fait toutes les ventes, et qui repère les bonnes affaires. À 500 euros, à 2000, on y revient maintenant, la famille de GMX.
à 2000 euros. Pouliche très tonique, regardez se déplacer à 3000 maintenant, 3000 euros. À 3000 euros maintenant, 3000 euros. À 3000 euros, c'est ici 4000 Sylvain pour vous. À pour vous, quand on vous 3000 euros seulement, 3000. À 3000 euros, c'est bien vu, 3005. Alors, à 3500 euros. À 3500 euros, si vous voulez 4000 tourons, allez-y à gauche, j'entends pas, ni en face, j'ai 3500 avec Sylvain. À 3500 euros, regardez bien le pédigré. À 3500 euros, bien vu, pas d'erreur. À 3500 euros, 4000 euros. À 4000 euros, un croisement qui fonctionne. Darling Story par nombre premier, Gate par nombre premier. Cette pouliche, petite fille de nombre premier. Et 4000 euros, à 4000 euros, c'est bien vu. Regardez bien votre pédigré, regardez là, le tissu qu'elle a, comme elle marche à 4000 euros seulement. À 4000 euros, c'est Sylvain, votre enchère. À 4000 euros, bien vu, alors pas d'erreur. À 4000 euros, c'est là. À 4000 euros, le marteau va se lever ni à gauche ni en face. À 4000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur. Sylvain, votre enchère, à 4000 euros. On a le juge, 4000 euros, Sylvain, merci. Allez, c'est vendu à 4000 euros. C'est pas cher, parce qu'elle est jolie, celle-là, cette guêpe des prés, là. Appartenant à Sébastien Jouclat. Alors, le Hara d'Aigues-Mortes de nouveau, le docteur Frémieux nous présente Magic Jimmy, un fils de Soave et Hidden Magic par Bering, qui appartenant à Sébastien Jouclat. Ah, Soave, le père de Shopshoot. Le père de Shopshoot gagnant du prix de France 2014, la course d'ouverture du grand week-end de l'obstacle, les 48 heures de l'obstacle à Auteuil. Et Soave qui va faire la monte l'année prochaine en provenance du Ras des Faunes, qui va faire la monte au Haras du Lion. Alors, Soave. Alors, le poulain est très typé de son père, Soave. Alzon brûlé. On va voir ce qui va se passer. La mère est par Bering, Hidden Magic, gagnante de deux courses. Mais par contre, de trois produits en âge de courir, pas de vainqueur. Alors là, évidemment, c'est évidemment le problème. Une souche Agacan, Balakiri, Balenia, Bon également. Là, on retrouve la famille de. En fait, on retrouve la famille Ed. Et alors, ce qui est intéressant dans ce pédigré, c'est qu'on voit que sous la quatrième mère, Banana Peel, nous trouvons. Banana Peel est la grand-mère de Bering. Or. Un vrai père de mère ici, 1000 euros. À 1000 euros, vrai poulain. Gâteau, la souche a été. La mère est par Bering. Donc en fait, on a un inbreeding à tout casser sur Bering. Assez étonnant. Puisqu'une jument de la souche de Bering a été croisée à Bering pour donner la mère de ce Magic Jimmy, issu de Soave. 1500 euros le fils de Soave, 1500 euros. Regardez la mère, deux victoires, seulement le quatrième du Black Type à tous les étages, à 1500 euros. La famille de Billington, Batman, 1500. À 1500 euros, votre enchère, Sylvain, pas d'erreur. À 1500, poulain qui marche, qui a de l'os, qui a du coffre. À 1500 euros, c'est bien vu. À 1500, vrai cheval de course ici, à 1500 euros pour aller à 2000. French Builder, 2000 euros, merci. À 2000 euros maintenant, 2000. 2000 euros, 500, si vous voulez 500, Sylvain, je vous entends plus. À 2000 euros, c'est votre enchère, Laura, bien vu. À 2000 euros, maintenant, poulain qui marche, qui se déplace pour aller aux courses. À 2000 euros, c'est bien. À 2000 euros seulement. À 2000 euros, un vrai chic poulain. À 2000 euros, Soave. À 2000 euros. Ça, c'est pas cher. Le père de Calarora, le père de Blue Soave. À 2000 euros seulement. À 3000 maintenant, 2500 alors. À 2500 euros, 2500 pour aller à 3000. À 2500. Bien vu. À 2500, c'est là l'enchère pour vous, Sylvain. 2500 euros. Le père de Silver Shop aussi. À 2500, 3 maintenant, 3000. 3000 euros. À 3000 euros, j'ai maintenant bien vu, 3000. À 3000 euros, c'est votre enchère. Laura, à 3000 euros, une mère Bering, 3000 euros. À 3000 euros, un poulain Cadlos du coffre qui marche. À 3000 euros, bien dans sa tête. À 3000 euros, c'est Laura, votre enchère, plus vous, Sylvain. À 3000 euros, l'enchère est à gauche, pas d'erreur. À 3000 euros, le marteau va se lever alors. Pas de regret, Sylvain, je vous entends plus. À 3000 euros, bien vu. À 3000 euros, pas de regret. À 3000 euros, Laura, votre enchère. À 3000 euros, on la juge. Laura, 3000, merci. Le numéro 80 est présenté par Rodolphe. Eh oui, 3000 euros. Alors le 80, c'est un cas très particulier. 7 avril. Parce que c'est un fils de Soave, ça je vous en ai déjà parlé. Il est présenté par Rodolphe de Fontaine. Histoire de mai, la mère est par Neustrien, un pur étalon d'obstacle. Et on voit que la mère, elle est mère de 6 produits, 3 en âge de courir. Alors il y a un Malinas, une Malinas et une Romain Deschamps qui n'ont pas couru. En obstacle. Et par contre, deux chevaux qui sont par Ainoa Akarad. Rien à voir avec Akarad, des Anglo-Arabes. Pas de course. La famille d'Angeline My Heart. 5, 3, qui débute 3000, 3000 euros, 3000 euros, 2000 euros, 1000 euros, qui démarre 1000, 1000. Alors, il y a de l'obstacle et du sprint, parce que la grand-mère Iskara,
Elle a gagné deux courses sur 1100 et 1600 mètres. Alors c'est quand même un peu bizarre. Et croisée avec Mariska Sorrento, elle a donné son histoire qu'elle a gagné en Angleterre. Franchère de 1000 euros. À 1000 euros maintenant, 1500. Si vous voulez 500 maintenant, 1000 euros. À 1000 euros, 1000 euros. Et en fait, quand on remonte un peu en arrière, on a une souche formidable. C'est celle d'Avenir Sartin. Angeline Maillard, Chris Keane. 1500, bien vu. 1500 pour aller à 2000. 2000. À 1500 euros, 2000. J'ai maintenant 2000 euros, bien vu. 2000 euros. À 2000 euros, Laura, votre enchère de 2000 euros. 3000 euros. À 3000 maintenant, 3000 euros. À 3000 euros. À 3000 euros, l'enchère, on y revient. À 3000 euros ici, en fond de moi. À 3000 euros. À 3000 euros, c'est 500. Joli poulain. À 3000 euros, le fil de Soa Silver Shop. À 3000 euros. À 3000 euros. Regardez comme il est actif ce poulain. 500. 3500. À 3500 poulains sous de lui à 4000. 4000 euros maintenant, 4000. J'ai maintenant 4000 euros, bien vu, 4000. 4000 euros, on y revient avec vous, 4000 euros. À 4000 euros, votre enchère Laetitia, 4000 euros. À 4000 euros, chic poulain ici, hein, il le sait. À 4000 euros, on parle seulement de 4000 euros. À 4000 euros, qui s'active dans les enchères. À 4000 euros, l'enchère est ici. À 4000 euros, plus vous, Laura, je vous entends plus. À 4, 5, maintenant 5, j'ai maintenant 5000, bien vu, 5000 euros. À 5000 euros, on y est. À 5000 euros, le fils de Soab. À 5000 euros. À 5000 euros, maintenant 5000, c'est bien vu. À 5000 euros l'enchère, on est revenu avec une mère gagnante ici. À 5000 euros l'enchère, et pour vous, Laura, pas d'erreur, plus vous ici. À 5000 euros, un chic poulain bien fait avec des bons tissus qui marche. À 5000 euros, bien là, qui a du scope. À 5000 euros, pas de regret. À 5000 euros, votre enchère à gauche. À 5000 euros, le marteau se lève, plus vous. À 5000 euros, on adjuge Laura, 5000, merci. Le numéro 81 est présenté par... Vous voyez, malgré le fait qu'il soit frère de rien du tout, c'est son histoire, son modèle, son père, et puis son modèle, c'est un joli cheval. Il a été vendu 5000 euros. Fille de Desert Star. 5000 euros à... Ce poulain est vendu sans TVA. Mister Sidney devant vous. Un vrai marcheur ici, le numéro 81, Mister Sidney avec une mère cassée. C'est Laetitia Blasco qui... Vrai, va chercher l'enchérisseur. C'est la famille de Grayton. L'enchérisseur est deuxième seulement. Antoine des vainqueurs. Emmanuel Clayeux. Voilà, Emmanuel Clayeux, le fameux entraîneur de l'Allier qui vient d'acheter. C'est vrai que c'est une bonne origine d'obstacle. Les mères épargnent Neustrien et on voit des chauds d'obstacles dans la souche. Et Soave s'affirme sur l'obstacle. Donc c'est peut-être sans doute pour ça qu'il a acheté ce fils donc de Soave, c'est son histoire. Maintenant on va passer à Mister Sidney avec un mâle Mister Sidney et Unkingo par Desert Style. Mort au Qatar, Desert Style. Quelle triste fin pour un cheval fou. Poulain qui se déplace 5000. Ah, 5000 euros, petit fils de Storm Cadon, c'est les. Non, c'était un bon étalon, Desert Style. Mais il avait un tempérament assez prononcé, on va dire. Et un très bon père de mère également. Ah, bah oui. Et Mister Sidney, l'étalon du rat du Kenney. Le cheval nous est présenté par le rat de la R Bougère. Il appartient à Madame Moherman, que je ne connais pas. 6000 euros, c'est Sylvain, votre enchère de 6000, 7000, bien sûr. Ah, 7000 euros. Ah, 7000 euros, chic poulain. Merci, victoire. Regardez le pédigré, plus de 39 000 euros de gain. À 7 000 euros. À 7 000 euros pour aller. 8, 8 maintenant. Qui m'appelle 8, Sylvain. Je dis 8 000 euros. 8000 only. Who's gonna try? 8 000 au fond, non? À 8 000 euros. 8 000 euros. J'ai l'enchère là-bas. 8 000 euros, non? Au fond. À 8 000 euros, non? Avec le book, non? À 8 000 euros. J'ai 7 000 à gauche alors. À 7 000 euros. 7 000 euros. Essayez 8 000 euros. Avec le book? 7 000 euros. 7 000 euros toujours à gauche. Comme la Nova Book Box? 7 000 euros. 8 000 Nova Book Box. 7 000 euros. Vous portez les books? Vous aimez la box? Écoutez, la Nova Book Box! 7 000 euros seulement. Oui, nous sommes littéraires également sur France. Ouais, c'est le soir sur Radio Nova. Ah oui. Bah, pendant qu'on travaille, pendant qu'on écrit des articles. Et oui. Chose, qu'un seul produit, deux victoires déjà. Sinon, il y a aussi une excellente émission, c'est les heures et quart avant la fin du monde. Ah. Est à gauche. Revenons sur un peu de Sir Darling, le fils de Mister Sidney, qui va être vendu à 7000 euros. Pas d'erreur. À 7000 euros. Votre enchère, Laura, à 7000 euros. 8. Poulain compact. 8000 euros, 8000 euros, 181. 8000 euros, 7500, 7500, à 7500, alors Laura, pour aller à 8, plus qu'une marche, à 7500, l'enchère est ici en face de moi, à 7500 euros, à 7500, la mère, 6 victoires, qui a produit un seul en âge de courir, qui est gagnant, à 7500 euros, à 7500 euros, une vraie famille ici, le petit-fils de Stormcat, à 7500 euros pour aller à 8000, à 7000 euros, 500 euros, pas d'erreur, l'enchère en face, à 7500 euros, le marteau se lève à 7500 euros. On adjuge 7500 en face de moi, merci. Le numéro 82 est présenté par le haras de Grand Caen, Ola Pola, Pouliche B, né le 12 février par Mamoul et Isabeau. Vous avez vu,
Qui a acheté? T'es de l'autre côté. La fille de Mamou. Ah non, c'est même dehors. Ah, c'est dehors. Ouais, ah, c'est oui, alors dehors. Ah bah, pour savoir qui a acheté dehors, il suffit d'appuyer, de cliquer sur la touche magique vue extérieure à gauche de votre écran, vue extérieure, et vous allez avoir la vue de l'extérieur, comme son nom l'indique. Et on va peut-être repérer qui a acheté. Combien de butons ici? 3, 2, chic poulain, bout tissu, bébé, 1000 euros, 1000, kilobit, 1000 euros. À 1000 euros, kilobit les enchères, 2000 euros, 1000 euros, maman, 1000 euros, le petit fils in the wing, 1000 euros. À 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, qui débarre, 1000 euros, qui débute les enchères, 2000 euros. Et voilà, on voit, c'est merveilleux. On se croirait dans le Kentucky, on se croirait à Kinland, où les ventes actuellement battent leur plein, les ventes de poulinières et de foule aussi. Regardez ces arbres rougeoyants. Qui a produit un gagnant déjà. Marounissant. Marounissant. Oui, bien sûr. Marounissant, exactement. Je vois pas où est le problème. À 1000 euros. À 1000 euros. On se croirait à Kinland. C'est merveilleux. Nous sommes au Lion d'Angers. On aime le Lion d'Angers. On suit, on supporte le Lion d'Angers. 82, c'est un produit de Mamoul. Et qui fait la monte en Allemagne, n'est-ce pas, Mamoul? Mamoul, mais qui commence à se faire vieux déjà. Mamoul qui commence à se faire vieux. Il a quel âge? Non, il est né en 99, il a 15 ans. 500 euros, à 1600 euros, un poulain qui se déplace. Gagnant du Grand Surprise von Baden-Baden, Mamoul en un seul mot, je précise. C'est vous, 2000, maintenant on y est, 2000 euros. Avec deux os. Roger, maintenant 2000 euros, à 2000 euros, c'est bien vu, pas de regret. À 2000 euros, Sylvain, pour vous, contre vous, 2000, à 2000 euros, le marteau va se lever alors. À 2000 euros, c'est bien vu, à 2000 euros, pas de regret nulle part, à 2000 euros, avec la mère qui a produit un vainqueur déjà. À 2000 euros, c'est bien vu. À 2000, et Mamoul qui fait les gagnants, gagnant de groupe à 2000 euros, à 2000 euros, bien vu, 500, 2500, à 2500, il était temps maintenant, 2500 pour les 3, à 3 si vous voulez, 3 maintenant, 2500 euros pour aller à 3000, à 2500, 3, j'ai maintenant 3, on y revient à 3000 euros, à 3000 euros, essayez 500 encore une fois devant, à 3000 euros, l'enchère est pour moi au fond là-bas, à 3000 euros, à 3000. Pour l'instant, c'est Eric Lermite qui défend le cheval. Pas de regret. À 3000 euros, le marteau va se lever alors. Essayez 500 une dernière fois pour un poulain bébrin comme ça, qu'un marcheur qui se déplace. À 3000 euros, à 3000 euros, essayez 500 euros pour l'emmener. Vous allez laisser partir, 500, merci. À 3500 euros, bien vu. À 3500, pas d'erreur. À 3500, c'est là alors. À 3500, c'est bien vu, le marteau va se lever. À 3500 euros, bien vu, pas de regret dans la salle. À 3500, le marteau se lève. À 3500, terminé. À 3500... On a dû. 3500, Sylvain, votre enchère, merci. Le numéro 83 est un supplément au catalogue. Il est présenté par le haras de Grand Camp, Eric Lermite. Il se nomme Dildico. C'est un poulain alezan né le 1er avril par Evasive et Nakamti. Ce poulain a été vu marcher au box occasionnellement. This colt is a box walker. Un grand fils de, d'Evasive. Et déjà nommé Dildico. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est promis en deux ans et déjà perdu vainqueur d'Evasive First. C'est un yearling, on vous rassure. Et des Jouvenceaux et Jouvencelles Listed Race. Un vrai pedigree ici parce que. Et c'est le clan tunisien qui a acheté le lot précédent. De Lyon Listed Race. À 3500 euros. Alors là, nous avons un supplément au catalogue. Plus de 78 000 euros de gains ici. Allez, vas-y. Un morceau. Alors. Trois vainqueurs déjà. Dont Uli Colil. Alors. Il y a plus de 150 000 euros gains. Vrai pédigré ici. Sa race, il est haussé. Origine contrôlée. Assimilé pur sang. C'est très particulier. Constaté. Sa mère est LSCS. Constaté. En fait, alors c'est une histoire assez étonnante. La grand-mère Froline, la grand-mère Froline, Idilco et Frau Luna, c'est une souche qui a été ramenée par Georges Sandor en France. Mais c'est une souche qui, pendant la guerre, on a perdu les, il y a eu les, ces chevaux-là, on a perdu les papiers des chevaux pendant la guerre. La guerre. Et donc on sait que c'est des purs. La guerre. Pardon. C'est 4000 euros seulement. Et donc on a perdu les papiers de ces chevaux-là. À 4000 euros. Mais on sait que ces chevaux sont quand même des purs sang. Mais ils n'ont pas de pedigree, ils n'ont pas le. Ils ont été réintégrés au studbook après. Labellisés PS. Voilà. 6000 euros. Mais c'est pour ça qu'ils sont quand même assimilés purs sang. Mais ils ne sont pas purs sang, c'est ça qui est bizarre. Il n'y a que cette souche-là. Mais comme c'est une bonne souche qui fait pas mal de gagnants, on en parle assez régulièrement. Evasive, la mère par Laint. Laint, donc Idico, ça c'est toute la souche de Georges Sandor. C'est bien vu chez Poulain là devant vous. Laint, c'était un cheval américain.
regardez le pédigré à 8000 euros, le fils des Vagis. Qui a beaucoup été utilisé par Georges Sandor, de même que Baudelaire. Qui l'avait acheté aux États-Unis aussi. D'accord. Baudelaire et ainsi que Klein, oui. C'est mon enchère à la tribune. À 8000 euros, Sylvain, je vous entends plus. 8000, 8000 maintenant, 9, pour aller à 10 si vous voulez. À 8000 euros, le marteau va se lever alors. À 8000 euros. À 8000 euros, dernière chance, dernière fois, 8000 euros. À 8009 maintenant, 9. Garnot pour ta dialectique. La troisième mère s'appelle Fraulein. 9000 euros. Fraulein. Fraulein, oui. Mademoiselle. Si vous voulez 10000 euros à gauche, je l'ai. En allemand. Oui, ça je savais. Quand même, je connais pas grand chose en allemand, mais ça je le sais. Fraulein. C'est bien mis 9000 euros, elle a déjà produit un cas. 6 victoires, 3. La langue de Goethe. Ah, la langue des délices, une langue si romantique, si douce. À 9000 euros. Regardez le modèle. 9000 euros pour ce monumental Dildico, il s'appelle, présenté par Laurent de Grandcamp. À 10000 euros, on est revenu. À 10000 euros, mon enchère de 10000 euros. À 10000 euros, c'est bien vu l'enchère. 10, 10, maintenant 12, il voulait les 12, 1, 12, il voulait les. À 10000 euros. À 10000 euros pour un vrai poulain solide avec de l'os. À 10000 euros. À 10000 euros, le fils d'Evasive. À 10000 euros, le petit Fidelis Equality est très très recherché. À 10000 euros, le marteau va se lever. Alors, Sylvain, c'est terminé. À 10000 euros, c'est mon enchère. À 10000 euros, le tour de salle. À 10000 euros, pas de regret nulle part. 11000, 10500. À 10500 pour les 11, si vous voulez. À 10500 pour les 11, si vous voulez. 500, non. Alors, à 10500 euros, 11000. Plus qu'une marche à franchir. À 10500 euros, c'est bien vu. À 10500 euros pour les 11000, si vous voulez. À 10000, 11000, non. À 10500, alors. À 10500 euros, bien vu, c'est à 10500, évasive, le père tout craché devant vous. C'est vrai que c'est le père tout craché. Le père, c'est un monument aussi. Hein. Il est très grand, évasive. Ah oui, oui, oui. Un vrai poulain, évasive. Hein. Et il fut néanmoins très précoce, malgré sa taille. Du modèle. À 10500. On l'a vu cette année pendant la route des étalons. À 10500. On va se lever pour vous. Et on va le revoir d'ailleurs en 2015 lors de la route des étalons. Et en face, à 10500, bien vu. À 10500, 11000, vous l'emmenez, non? À 10. Dans 3 mois finalement. Ça va venir vite. Sylvain, votre enchère, 10500, merci. Le numéro 84 est présenté par le Haras du Play. Alors nous avons notre ami Xavier Bougon, qu'on appelle l'indispensable. Xavier Bougon. Allez, qui dit, on l'appelle l'indispensable, monsieur Bougon. Je le dis à chaque fois, c'est ça qui leur rend de ça. Trois sorties. Ça s'appelle la liste A. Les chevaux dont on parlait tout à l'heure, à l'instant même, juste avant la vente, à 10500 par qui l'a acheté? J'ai pas vu. On revient ici avec le numéro 84, dont le fils de nom. Ah, c'est. Comment qui s'appelle? La famille Jours. Eric, le maître. Le maître. Ouais. Et où j'en étais? Oui, la liste A. Pendant la guerre, il y avait la liste de Schindler et la liste de A. Mmh. Oui, c'est d'un goût. Oui. Il y avait le film d'ailleurs qui est repassé l'autre jour sur sur France Télévisions. La liste de Schindler. 1000 euros, le petit fils de Kendor, 1000, j'ai maintenant 1000, bien vu, il aura votre enchère de 1000 euros. Diantre. À 1000 euros, qui débute, j'ai maintenant 1500, si vous voulez, 1000 euros, j'ai maintenant 1000 euros. À 1000 euros, maintenant 500, 2000, qui débute, 2000, alors 1500, 1000 euros. Alors 1000 euros, une seule enchère de 1000 euros qui coûte 500, si vous voulez. À 1000 euros, 2000, maintenant 2000 euros, l'aura pour vous et contre vous, à 2000, maintenant 2000 euros. À 2000 euros, 3, bien vu, 3000, 3000 euros. À 3000 euros, 4, maintenant j'ai 4000 euros. À 4000 euros, voilà. Joujac. C'est le nom du numéro 80. 4. Tudjak, un fils de nombreux premiers, jaillissante par verglas. Tiens, c'est marrant parce que jaillissante par verglas est donc la propre sœur de Jours Sans Vaux. Et Jours Sans Vaux a été le tout premier bon verglas, tout premier black type de verglas. À 7000 maintenant. À 7000 euros, il continue. 7000 euros, 8 si vous voulez. À 7000 euros maintenant. C'est le Haras du Play Baudouin de la mode Saint-Pierre qui nous présente ce poulain par nombre premier du coup. 7000 euros. À 7000 euros, un vrai chic poulain ici, petit fils de. Qui avait déjà eu de la réussite avec nombre premier. Je me demande si nombre premier, c'est pas le père de Macht. C'est ça, ce gris. Hein? À 7000 euros, on parle bien de la même chose. Macht, je crois que c'était un nombre premier. À 7000 euros, c'est bien vu pour votre enchère, Laura, et contre vous. À 7000 euros, le marteau va pouvoir se lever alors. À 7000 euros, c'est bien vu terminer une fois. À 7000 euros, essayez 500 au moins. À 7000 euros, vous allez laisser partir. À 7000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur. À 7000 euros, le marteau se lève. À 7000 euros, Laura, votre enchère. Et il va partir. On a juste 7000, Laura, merci. Bien. Le numéro 85 est présenté par le Haras des Embruns, Dream Love Royal. Ah, l'Haras des Embruns. Du côté de Nantes, tout près du Haras du Saz. Et donc, il nous présente un fils de Early March et Jesse Eria. Eria, c'est
Premier. Alors, Dubois ou Prou. Alors, qui a acheté le lot précédent à 7000 euros? Donc, la mère King Salsa, la famille de King. C'est, mère, Invasion les modes, qui a plus une. Là, depuis l'apparition du catalogue. J'entendais des mottes. Donc, c'est, oh, ben, j'ai oublié son nom, 1000 euros, Chipoulin, beau. C'est le monsieur au milieu. Ah, 1000. Oui, 1000 euros qui débute les enchères de 1000 euros. Ah, je vais le retrouver. Excusez-moi, je vais le retrouver. Oui, depuis l'apparition. Ah, Jessie Aria, c'est la famille de Tracy Aria, Ferry Aria. Jessie Aria, c'est la sœur de Ferry Aria. Donc, Tracy Aria, 4 victoires, 8 victoires en obstacle. Donc, 12 victoires au total chez Joël Boinard. Et Ferry Aria, qui a gagné 6 courses chez Joël Boinard aussi, notamment en fin de carrière. Et donc, qui a fait Évasion des Mottes. Je la connais, c'est elle à moi. Qui a gagné à 2 ans cette année à, comment, cet été à Saint-Malo. Une évasive. Voilà, une évasive d'ailleurs. À 1000 euros, le fils dans l'image, à 1000 euros. À 1000 euros seulement, 1000 euros maintenant, Godfly, 1000 euros. À 1500, on y est, Sylvain, bien vu, 1500. À 1500, 2000, j'aime maintenant 2000 euros pour vous, goûtez-vous, Sylvain. 2000. Pourquoi Antoine a dit Godfly? Puisque Godfly, c'est le père d'Early March. À 3000 euros, 3000 euros. Godfly élevé par Patrick Lemarié, qui est présent aujourd'hui, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, effectivement. Et il est là. 3000. Avec Olivier Pirot. Bien vu. À 3000 euros, dernière fois, dernière chance, 3000. À 3000 euros, Sylvain, c'est pour vous et contre vous seulement. À 3000 euros, j'ai personne en face, ni à gauche, Laura, je vous entends pas. Regardez le poulain, la mère Kinshasa, super papier, beau type. Il a une robe de souris, ce poulain. Actif. Et on parle de 3000 euros. On parle de 3000 euros? 500, à la casquette 500, j'ai bien vu. 3000. Alors King Salsa, c'est un cheval qui a été très à la mode. Et après, cheval reconnu, sérieux, solide. Ici, Antoine Lamotte d'Argy à l'antenne avec Guillaume Mousnier, ancien jockey, qui est entraîneur maintenant à Draget. Et King Salsa est un peu passé mode là, désormais. Bon, il fait plus la montre où il est très très vieux désormais. Le marteau se lève. Mais c'est dommage, c'est un étalon efficace. Dernière fois, dernier appel à 3500 pour un poulain aussi beau, à 3500 euros. Alors attention Loïc Stécher. Car... Ou Arnaud Poirier. Oui, car le 86 est absent. On va passer au 87, qui est un cas très particulier, Loïc Stécher. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un Montmartre, déjà, ça c'est bien. La mère est par Martaline, Wonderful. Et c'est la famille de Katko, Kotkita et comment il s'appelle encore qui a gagné là Cobrook. Cobrook, voilà, qui a gagné ce week-end. Un la mère est une sœur de Cobrook. Alors attention, mesdames et messieurs, attention les yeux, attention Peter Vaughan, attention les Irlandais, attention les Anglais. Et tout le monde doit être autour de la salle. Comme les DJ qui invitent tout le monde sur la piste. Cobrook. Attention. On va lancer le Claude François de la vente. Tout le monde va gâcher. Le Congrès, groupe 2. Et oui, mesdames et messieurs, en plus, c'est un très joli poulain, le 87, Kanikou. Kito, Kotikova. La vraie famille Kotki ici. Toutou, bon pédigré. Alors. Mère Martaline. Concentration. Katenko. Le vrai papier d'obstacle ici. Sans fausse note à tous les étages. Combien de buts? Ah oui, puisque ça répète, génération après génération. 10 000 euros. À 10 000 euros qui m'appelle 10 000 euros. 10 000 euros. À 10 000 euros. Présenté par son éleveur, le Haras des Coudrées. Puis super beau en plus. Hein. Ça, c'est un beau poulain. À 5 000 euros. Né le 16 mars. Le 5 000 euros, un vrai poulain, un vrai pédigré ici. À 5 000 Alors, s'il ne fait pas de l'argent. Backtack depuis l'apparition du catalogue. Soit je me fais curer, soit il a un défaut physique que je connais, que j'ai pas vu. Un vrai cheval d'obstacle. Parce qu'en plus, il a une belle allure. Vraie famille d'obstacles. À 1000, maintenant j'ai Sylvain, bien sûr, 1000 euros. À 1000 euros, l'enchère est à droite, 2000 euros, 1000 euros, maintenant 2000 si vous les voulez. À 1000 euros, à 1000 euros. Katgari, Katenko, Kotkili, Kotkijet. À 1000 euros, à 1000 euros, un chic poulain ici, 1000 euros, maintenant Montmartre, 1000 euros. À 1000 euros, c'est bien vu, 1000 euros, 1000 euros. À 1000 euros, la mère Martaline. À 1000 euros seulement, 1000 euros. À 1000 euros seulement, une enchère. À 1000 euros, Sylvain. On s'active dans la salle. 2000 euros, 3000, merci. À 3000 euros, regardez le pédigré, 4000. À 4000 euros maintenant, 4000 euros. À 4000 euros, le fils de Montmartre, mère Martaline. 4000 euros, à 4000 euros. Panard à droite. Maintenant, Code Kito, Code D'accord. Code Kidjet, 4000 euros. À 4000 euros, 5000, allez-y. À 4000 euros, l'enchère. Quand même, c'est un joli cheval. Il a beaucoup d'expression, beaucoup d'allure. Alors, que font les gens qui sont tous autour du ring, là? Il y a Patrick Joubert, il y a plein de gens qui sont approchés. 5, tout de suite, 5000. À 4000 euros. Regardez le poulain gris, comme il marche, il se déplace, poulain actif. Bien dans sa tête, à 4000 euros, mère Martaline. Ah, tandis qu'on voit ici Madame Seigneau avec son fils, Julien Guillochon. 4000 euros, Sylvain, je vous en prie. Ce sont les beaufs. 4000 euros. Valérie Seigneau et
à 4. Et son fils, donc Julien Guéchon, c'est les Beaufs. Sylvain, c'est vous. Enfin, les Beaufs qu'ils ont acheté ici, 3500 euros, et qui a gagné Groupe 1 dans le prix du cadran, notamment. 4000 euros. Je citais que la performance principale, le Royal Oak. À 5000 euros. Pas le Royal Oak, pardon. Oui, monsieur. Maintenant, 5000, si vous voulez 6 tout de suite, alors. À 5000 euros. À 5000 euros. Regardez bien le fils de Montmartre de 5000 euros. Regardez le pédigré. Des Black Type, obstacles à tous les étages, des vrais caractères gras, gros caractères, gagnant de groupe, sur toutes les générations, et on parle de 5000 euros. À 5, pas une fausse note dans le pédigré. À 5000 euros seulement, c'est bien vu, l'enchère est à gauche. À 5000 euros, c'est là. À 5000 euros, Laura, c'est votre enchère. À 5000 euros. À 5000 euros, la mère Martaline. À 6000, on y revient maintenant. À 6000 euros. À 6000 euros, 5500, Laura. À 5500 pour aller à 6000, Laura, allez-y. Pour aller à 6000, Laura, je vous entends plus, j'ai 5500 à droite. À 5500, le marteau va se lever. 6000 euros, si vous voulez. À 5500 euros. On a vu Paul Coulière sous son chapeau. 5500 euros. Le marteau va se lever alors. À 5500 euros. Terminé. Dernier retour de salle. À 5500 euros pour un pédigré pareil, le fils de Montmartre. À 5500 euros. Laura, plus vous, c'est bien sûr. À 5500 euros. Votre enchère, Sylvain. À 5500 euros. On l'a dû, 5500. Sylvain, merci. Alors, qui a acheté? Le numéro 88. Est-ce que c'est vendu d'ailleurs? Par le Hara des Loges, Jux Sky Sweep, Poulain B, né le 19 mai par Bonbon Rose et Kayalami. Mère Kayazi ici, un vrai père de mère ici, très réputé, avec une mère qui a déjà fait donc un gagnant. C'est seulement le troisième produit de la mère. Le fils de Bonbon Rose, le petit-fils donc de Mansonia. Déjà père de vainqueur, ici Nizaro de Sambre, Pépite Rose, EBF, combien débute-t-on? 5, la famille d'Olympique Glory, 3000 euros, à 3000, 1000 qui démarre à 1000 euros, à 1000 euros, chute. Est-ce qu'on... Bien fait, 1000 euros maintenant. J'arrive pas à voir qui signe le bulletin, ça m'intéresse quand même. C'est monsieur sous la casquette, tout au fond. 500, 1000 euros, 1000 euros. C'est Eric Leray. Eric Leray? À 1000 euros. 1000 euros. Ah bah alors, il a l'œil, Eric Leray. 1500. À 1500, 2000 euros. Alors, si. 2000 euros. À 1500 euros l'enchère. Si la caméra penche un peu plus bas, légèrement sur la droite, vous allez voir un monsieur qui nous revient des États-Unis, une superstar internationale. C'est monsieur Olivier Pellier qui est présent. J'ai fait un gagnant, un Black Peak Glory, un Mère Kayazi, à 3000 euros l'enchère et pour moi en face de moi, à 3000 euros, à 3000 euros 4 si vous voulez, 3000 euros, à 3000 euros l'enchère est en face, pas d'erreur, Sylvain, je vous entends plus, j'ai l'enchère en face, à 3000 euros c'est bien vu, ni à gauche, on se réveille dans la salle, le fils de... Le voilà, Olivier Pellier, ici avec son épouse, Émilie, Olivier, donc issu de plus en plus, hein, depuis qu'il est marié avec Émilie, s'intéresse de plus en plus à l'élevage et aux ventes, issu de plus en plus les ventes, et puis aussi pourquoi Olivier Pellier vient au Lion d'Angers en revenant des États-Unis, il est terminé deuxième de la Breeders' Cup Mile avec un honneur, étalon au Mura du Canet. Parce que Olivier Pellier est né dans la région, il est né en Mayenne, à Cosselvillien. Cosselvillien, c'est à une demi-heure du Lion d'Angers, il vient ici à la maison. 4000 et 6. Alors, Canicou, 500 pour aller à 4. C'est passé. Maintenant, c'est Juk Sky Sweep. On parle d'un nom. Le 88, fils de Bonbon Rose, qui a l'ami par Kayazi. À 3500, bien vu. Qui ressemble beaucoup à son grand-père de mère, d'ailleurs, la famille de Miss Chris. Franchère, Sylvain, à 3. Et d'Olympique Glory également. L'enchère là-bas. Qui a gagné groupe à 2 ans, 3 ans et 4 ans. On adjuge. Et qui sera étalon l'an prochain au Hara de Bukoto. Le numéro 89 est absent. Nous passons au numéro 90, présenté par le Hara du Saz, Roger Yves Simon. Gold Forever, Poulain Gris, Poulain B, pardon, né le 29 avril par Le Havre et la Primavera. C'est le deuxième produit de Le Havre et le dernier produit de Le Havre qui passe. Du fils du très réputé Le Havre ici, le premier produit vivant. Ah, Le Havre, Le Havre, Le Havre, Le Havre. Le Havre, avenir certain. Gagnant la poule d'essai, pouliche. Bah. Olivier Pellier qui prend des notes. Vrai. Non, j'étais en train de dire, c'est pas lui qui est en train d'acheter le précédent. Non. 10 000 chic poulain. Ici, 10 000 euros. À 10 000 euros, 10 000 euros, 5. Olivier Pellier, l'année de Le Havre, il montait qui lui? Il montait pas Silver Frost? Allez, 1 000 euros. 1 000 euros, qui débute, 1 000 euros. À 1 000 qui démarre, 1 000 euros. L'année de Le Havre, il avait un bon cheval, mais je sais plus lequel. Voilà, au téléphone. À 1 000 euros, qui débute, 1 000 euros. À 1 000 euros, 1 000 euros, qui débute les enchères. À 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. J'ai maintenant 1 000 euros, bien vu, 1 000 euros. À 1 000 euros, maintenant 2 000 euros. 2 000 euros, maintenant l'enchère de 2003 à 3. Tu vas sur l'internet, Arnaud?
à 4000 euros. Sur les internets. 4000. À 4-5, 5000 euros bien sûr. Le Havre, 5000 euros. Amir Certain, à 5000 euros. À 5000 euros, j'ai l'enchère. C'est pour vous, Sylvain, bien vu. 5000 euros. À 5000 euros, Kikotil. Toujours Roger Yves Simon. Alors, Avenir Certain, pourquoi on s'y parle d'Avenir Certain? Parce que le Havre, c'est le cheval qui a fait le top price à 130... J'ai maintenant 8000 euros l'enchère pour moi en face de moi. Euros, remporté par... à la test. À la test. Anthony Ford. Voilà. C'était une pouliche de Le Havre qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à... Avenir Certain, la fille de Le Havre que tout le monde connaît. J'ai mon enchère à la tribune à 10 000 euros. C'est plus vous, Sylvain, c'est mon enchère. À 10 000 euros. À 10 000 euros maintenant. 10 000 euros. 10 000 euros. À 10 000 euros. À 10 000 euros maintenant. 12, si vous voulez 12. Énergique, hein, ce fils de Le Havre. 12 000. À 12 000. 12 000 maintenant. 12, 15, si vous voulez 15 000. À 12 000. À 12 000 euros. À 12 000 euros l'enchère, c'est Sylvain. Chez les poulains, Le Havre, il a notamment sorti Orbeck et Ouvray. 12 000, à 12 000 euros, pas d'erreur, 12 000, 12 000 euros maintenant, 15 000. Qui ont été vendus pour les sommes folles le jour de... 800 000 euros et tout ça. Et 600 000 euros aussi, ouais. J'ai maintenant 13 000, 13 000 euros, à 13 000 maintenant, qui connaît 15 si vous voulez, à 13 000 euros, à 13 000 euros, 15 si vous voulez, à 13 000 euros... C'est... La mère par Johan Quatz qui a fait toute sa fin de carrière comme étalon chez Roger Yves Simon, pourquoi? Parce que le cheval était avait des gros problèmes de fertilité et Roger Yves Simon étant vétérinaire, il était le mieux placé pour gérer cette situation difficile. 14 000. À 14 000 euros. Un excellent étalon par ailleurs, Joanne Quatz. À 14 000 euros. À 14 000 euros, 15 si vous voulez. À 14 000 euros. À 14 000 euros. Premier produit vivant de la mer. À 14-15 maintenant. 15 000. 15 000 euros. À 15 000 euros, c'est vu. 15 000. 15 000 le Havre. Et une mère sœur de Counterclaim. Fils d'Anaba. Et c'est la famille de Lord Camillo et de Futio. Un vrai pédigré, prend une... On en avait déjà parlé. Et on parle c'était tout au début de la vente, il me semble bien. 15 000 euros maintenant, 16 si vous voulez. À 15 000 euros, 15 000 euros. À 15 000 euros, c'est bien vu. 16, bien sûr. 16 000, 16 000. À 16 000 euros maintenant, 18 si vous voulez. 18 au moins, 17. À 16 000 euros là-bas, 17 000. J'ai maintenant. À 17 000 euros. À 17 000 euros, bien vu. 18 si vous voulez. 18 000. À 17 000 euros. On monte gentiment. Joli modèle que cette Gold Forever. Que ce Gold Forever, pardon. 7000 euros, pas le regret. Voilà, donc le Havre qui semble produire aussi bien il est aussi à l'aise en produisant des femelles que des mâles. 18 pour aller à 20. À 18 000 essayés, Sylvain. À 17 000. Olivier Pirot, à gauche de l'écran. Patrick Lemarié au centre. Personne. À 17 000 euros. Ni à gauche, ni en face. Fresh Miller, 18 000. À 18 000 maintenant. À 18 000 euros. À 18 000 euros, c'est bien vu. À 18 000 euros, pas de regret dans la salle, 18 000. À 18 000 euros, c'est là, bien vu, pas d'erreur. À 18 000 euros, c'est bien vu cette fois-ci, 18 000. À 18 000 euros, le marteau peut se lever. À 18 000 euros. On a le juge. Emmanuel, votre enchère, 18 000, merci. Monsieur Sylvain Vidal, merci monsieur. Ah ah, Sylvain Vidal, qui s'était fait discret. J'avais aperçu tout à l'heure Mathieu Alex. Mais Sylvain Vidal. Appartenant à Mathieu Boutin. À 18 000 euros, c'est vrai qu'il a fait une bonne affaire là. Par Stormy River et Lady Nora. A noter que son frère Huang Di compte une place supplémentaire. Il est où, je ne le vois pas. Casquette violette, j'ai entendu. La fille. Il est peut-être au fond. Stormy River ouais. Ici. Pouliche, bien amenée. La mère par Warshan a gagné à 3 reprises. Elle est gagnante à Longchamp notamment. Elle a produit plusieurs bons chevaux, dont Huang Di. Ah, il est assis. Gagnant il est assis, il était à côté d'Olivier Pellier. Le voilà, Sylvain Vidal, sous la casquette Le Havre, donc. Ah, bah oui, effectivement. Oui. Bah, ça, on peut, oui. Du coup, il est plus facile à repérer quand on sait qu'il a une casquette violette. Tara River de Léo Parti et bien d'autres. Combien pour débuter? La petite fille de Verglas par Stormy River, 5000. Voulez-vous 5000 euros? 5000. 91 est absent. 5000 à 5000. Donc on passe au 92. 5000, 5, 3, voulez-vous 3, 3000 pour débuter, 3, 2, voulez-vous 2, 2, 2, allez 1000 euros, 2, allez 1000 euros, mettez vos enchères, 2000, allez 1000 euros qui m'appelle, 2000, 2, 2000 euros, la pouliche de Stormy River, 2000, Guy à droite l'enchère, 2000, allez 1000 euros, allons-y, 2000, à 2000, à 2000, allez 1000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros, la fille de Stormy River, bonne pouliche, mère qui produit ici, allez 1000, 2000 seulement nous sommes, mettez vos enchères, allez 1000 euros qui couvre l'enchère de 2000, Guy c'est par vous. Pour le moment, à 2000, allez 1000 euros. Stormy River à 2000 euros pour l'instant. Vu à 2000 euros. Du caractère gras dans la famille à 2000. Elle appartient à Mathieu Boutin. À 2000 euros. Cette femelle par Stormy River. 3 maintenant, 3 qui 000, a été élevée, rappelons-le, par Marie-Laure Collet au Haras de Clairefontaine. 3000, tout se passe à droite à 3000, oui. À 3000 euros qui prend le relais. 3000, puisqu'elle avait la mère Miss Bio, 3 000, la mère donc de Stormy River. 100,
3005. À 3500 euros, toujours à droite. Et elle l'avait emmené à la saillie chez, bonne poulie, chez Alain Régnier. Bien, cette fille de puisque ce dernier stationnait Verglas, le temps que le père de Stormy River. À 3500. 3500 euros, toujours à droite, l'enchère vue. 3500, 4 maintenant. 4000. À 4000 euros, toujours là, l'enchère à 4000 vues. À 4000 euros, voulez-vous 5, qui met 5. À 4000 euros, bonne poulie, je le répète, de Stormy River. À 4000 euros, étalon confirmé, Stormy River à 4000. À 4000 euros, l'enchère est à droite, toujours par vous, Guy. Pas l'erreur. Le marteau se lève. On peut l'adjuger, la fille de Stormy, 4500, 4500, 4500, on y revient, 4500, 4500 euros, oui, à 4500 euros, de nouveau à droite, l'enchère à 4500, vu, à 4500 euros, dernière fois, à 4500 euros, voulez-vous 5 quelque part, à 4500, 5000, nouvelle enchère ici. Lady Nora par Warsan, un des derniers fils directs de Northern Dancer qui file la monte, famille de Mr. Jonathan, Irish Woman, c'était des choix entraînés par Jean-Bertrand de Balanda. Prends le relais à 5000, mettez vos enchères s'il vous plaît, 5000 vues. Une mère qui produit, fille de Stormy River, à 5000 euros le marteau se lève. Laura, c'est chez vous maintenant, à 5000, Guy contre vous. On peut la juger, à 5000 euros, à gauche l'enchère, merci de votre aide. À 5000 euros, l'enchère est là, Laura c'est vous, on est d'accord. À 5000 euros, pas là-bas, rien à droite, fini, dernière fois, dernier tour de salle, à gauche l'enchère. On la juge, 5000, Laura. Le numéro 93 est présenté par l'élevage du Davier. Lorina, Polish Bay, née le 11 avril par Spanish Moon et Lamborghini. A noter que son frère Lamigo compte 2 victoires supplémentaires. Il a remporté le prix de Beaune Listed Race à Anguin le 30 septembre. Et une autre Listed Race également. Prince des Couens Listed Race le 18 octobre. Prince des Couens. 173 750 euros de gains. Son frère Lorado compte 2 places supplémentaires et sa propre sœur For Your Love s'est placée pour ses débuts le 2 novembre à Marseille. Elle produit cette jument Lamborghini. Nous vous présentons donc ici la sœur de l'excellent Lamigo. Il vient de gagner l'Eastud coup sur coup. Et qui vient de gagner 2 Eastud cette année. Combien Lamigo, un fils d'American Post donc. Spanish Moon, lui-même gagnant du Grand Prix. Qui fera la monte l'an prochain le bon poulain dans l'Allier, dans le centre de la France. Combien pour débuter au Haras de Trébans. La sœur de Lamigo. L'Amigo qui a couru à 4 reprises cette année pour 2 succès de l'Eastud. Un excellent cheval d'obstacle à 3000 à droite. Et c'est une fille de Spanish Moon. Mettez vos enchères, 3000 euros. À 3000 euros, la fille de Spanish Moon. Ce fils d'El Prado qui, depuis le début de sa carrière, fait la monte ici même au Haras du Lion. À 3000 euros qui couvre l'enchère. Et qui a produit un vainqueur dès l'âge de 2 ans. Ses premiers produits ont d'ailleurs 2 ans cette année. À 4000 euros, à droite l'enchère, toujours à 4000. Grande pouliche par Spanish Moon qui est née le 11 avril. S'il vous plaît, 5 maintenant. 5000, Marion l'enchère à 5000. 5000, 6 à droite maintenant, 6000. À 6000. C'est également la sœur de Lamborghini, ce fils de Silvano, gagnant de 8 courses. À 6000 euros qui met 7, faut mettre 5 maintenant. Lamborghini, il appartient à Philippe Walter. 7, Marion, un Alsacien. 8 à droite maintenant, 8000. À 8000. Entraîné par Jess Paris. À 8, à 8000 euros qui prend le relais. À 8000 euros. C'est également la sœur de Lorado, un fils d'Anna Bablo, qui compte 4 victoires. Et donc, comme c'est par vous, Guy, on l'a entendu tout à l'heure, 2 places supplémentaires depuis l'apparition du catalogue. Regardez là, 9500, 8500 si vous voulez, 8005 là, à 8500, 8500 à droite l'enchère, 9000, on y revient. À 9000 par vous, Guy, l'enchère. À 9000, à 9000 euros, voulez-vous 10, à 9000 euros, regardez le pédigré. 10000. 10 000, allez 1000, on y revient, 11500, 10500, 10500, 10500, 10500, de nouveau à droite l'enchère, allez 1500. Alors attends, parce qu'on... Oui, non. Guy. Alors, 10500, Guy, oui. Parce qu'on me dit non là-bas, donc si c'est 10500, Guy, ok. 11000, on y revient. À 11 000 euros, à 11 000 euros par vous qui l'enchère, à 11 000. À 11 000 euros, c'est par vous qui l'enchère, pas d'erreur. À 11 000, on est d'accord. À 11 000, à 11 000 euros qui prend le relais, à 11 000, pas en face, rien à gauche. À 11 000, c'est contre vous, Marion également, pas d'erreur. À 11 000, à 11 000 euros, 12, on y revient. À 12 000, par vous et contre vous, Guy, toujours l'enchère. À 12 000, à 12 000 euros, regardez la fille de Spanish Moon, la sœur de l'Amigo, je le répète. À 12 000, à 12 000, et rien à gauche, Laura. 13, 12, 500. 12500, 12500, à 12005, à 12500, c'est là-bas, pas d'erreur, 12500, à 12500, 13 là, à 13000, à 13000 euros, belle pouliche ici, bonne pouliche, à 13000 nous sommes par vous, Marion, pas d'erreur. Guy, on essaie 14, 13000 en face.
On met 14. On essaie. 13 000, regardez là. À 13 000 euros. 500 ? 13 500, 13 500, à 13 500, c'est à droite toujours l'enchère, à 13 500, à 13 500 euros, c'est vu, le marteau se lève, la fille de Spanish Moon, vous la laissez partir à 13 500. Fille de Spanish Moon, donc à 13 500 euros. Pas en face, et rien à gauche. C'est la première Spanish Moon qui est présentée aujourd'hui. Mettez 15, on laisse 15. 14, c'est en face, de nouveau par vous Marion, à 14 000. 14 000 euros toujours en face de moi l'enchère, 14. Ah, on 14. Voit Guillaume Cousin également, qui est venu l'enchère est là. Lui-même en voisin, puisqu'il habite en Mayenne, oui. Le marteau se lève, on peut la juger, Guy. Dernière fois, à 14, 15 000, 15 000, 15 000, on y revient. À 15 000 euros toujours à droite, à 14 500 si vous voulez, 14 500 à droite l'enchère. Le marteau se lève cette fois-ci, pas de regret, dernière fois et pas en face. On la touche. 14 500, Guy, votre enchère, merci. Le numéro 94 est présenté par le haras de la Molière, Calboun, Poulain Alzan, né le 15 avril, par Dreamwell et Lassicios. Le poulain par le très confirmé Dreamwell, par le père de Le Grand Lucé, de Hippomène, de Viotti, de Iroufika As. C'est des acheteurs tunisiens qui viennent d'avoir cette Spanish Moon à 14 500 euros. Deux bons chevaux dans le pédigré Pungash est placé à nouveau. Combien pour débuter les enchères pour ce bon poulain de Dreamwell? Voulez-vous 5 000 euros pour débuter? 5 000 à 5 000 euros, 5 000 euros le mal de Dreamwell à 5 000, 5 000, 5 000 euros 5, à 5 000 euros 3, voulez-vous 3 000, 3 000, 3 000, 3, 2, 2. À... Dreamwell, le père de Le Grand Lucé, Laura, qui a été élevé au Harald Molper, Le Grand Lucé. Dreamwell, à 1 000 euros, étalon. Le rat du Pré Amadou l'an dernier, en 2013, et cette année, deuxième de GMX dans la grande course de haie d'Auteuil. Éternel deuxième, Le Grand Lucé. À 3000 à droite l'enchère, 3 à 3000 euros notamment au plus haut niveau. Et Dreamwell est également le père d'Hippomène, lauréat également en 2013 du prix de Cambacérès, un gros pain. 3, pas en face, rien à gauche à 3000. À 3000 euros qui prend l'enlève, qui couvre l'enchère de 3, 4 maintenant. Et c'est le sixième produit à 4000 euros de la mer. L'enchère 4500, 4500. Guy à 4500 euros de nouveau à droite l'enchère, 4500. 4500 euros toujours Guy l'enchère maintenant à 4500. La mer est par Sicios. Quelque part 4500. Bon poulain ici à 4500. Fils de Dreamwell, 5 000 maintenant, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros Laura, on y revient, 5 000, 5, à 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000 seulement, 5 000, on met 500 Guy, 500, Laura contre vous, 5 500, à droite l'enchère, 5 500, 5 500 euros là-bas l'enchère, à 5 500, pas là, rien à gauche, à 5 500 euros le marteau se lève, je vais la juger, 6 000, on y revient, 6 000, à 6 000, à 6 000, Laura, toujours vous, à 6 000 euros, 6 000, à 6 000 euros contre vous, merci de votre aide à droite, à 6 000 euros, le marteau se lève, je vais la juger à gauche par Laura, pas en face, plus à droite, fini, dernière fois, pas de regret, Laura c'est chez vous, on est d'accord, fini, on la juge. Ah, 6 000, à 6 000, à 6 000, c'est parti. Le numéro 95 est présenté par l'élevage Marquise de Moratala, Dios Dado, Poulain B, né le 11 mars, par Lou Breton et Ladies. Ah, un Lou Breton désormais. À noter que son 95. Frère, deux victoires supplémentaires et totalise 31 270 euros de gains. Alors, de quoi on a parlé? De son frère, si je ne m'abuse. Voilà, il arrive. Le mal de Lou Breton. Il m'a laissé le... Scrute la porte, il va arriver, ça c'est la porte d'entrée qu'on voit. Le petit-fils d'Anaba. Ah, le voilà. Le fils de Lou Breton qui est déjà nommé, qui s'appelle Dios Dado et qui nous est présenté par l'élevage de la marquise de Moratala. Lou Breton qui faisait la monte depuis ses débuts, des talons bien sûr, au haras de Saint-Vincent chez Thierry Dallalonga.
Et depuis cette non, depuis 2015. L'an prochain, donc en 2015, Lou Breton sera disponible, il aura du favori. Par Lou Breton, la mère par Delamy. 5000 euros, voulez-vous 5000 pour débuter. 5000 euros. Monsieur Ladrou. 5, 3, 3000, à 3000, oui. À 3000 euros, mettez vos enchères. 3, 2, voulez-vous 2. Chez qui faisait déjà la monte l'Ordre du Sud. À 1000 euros, 2 qui m'appelle 2000, pas plus bas, s'il vous plaît. Notamment cette année, l'Ordre du Sud qui a 133 chevaux. Il est magnifique ce poulain. 1000 euros, à gauche, l'enchère 2 maintenant. Un Lou Breton. 2000 à droite, Guy l'enchère, à 2000, à 2000 euros à droite, l'enchère 2, à 2000, à 2000, à 2000, allons-y, 2000, à 2000, 3 maintenant, 3000, 3000, bon poulain. Qui est né le 11, le 11 mars. À 3000 euros à gauche, l'enchère Laura pour le moment. Et qui est un neveu, 3, même un cousin, voulez-vous 4 un neveu plutôt de Rombaldier. Mettez 4000, 3000 euros à gauche. Cet excellent cheval de haie. Petit-fils d'Anaba. Et qui est un neveu, un cousin, voilà, un cousin. De Loud Out Loud. Une fille de Cloverville gagnante du prix de Sandringham. Pour le moment, 3005 à 3500. Et la famille Germans, plus loin, de Démocrate. White Muzzle également. On met 5000, Laura. Kaylee Game et Egg Marine. 5000 euros. Gagnante de groupe 3 cette année. À 5000 euros. 5000 euros, we are now. 5000 euros. Le bon poulain de Lou Breton à 5000. Regardez-le. Et très très beau ce Lou Breton. Guy. Contre vous. Très bien présenté également. À droite. 6000, à droite l'enchère. De nouveau à droite l'enchère à 6000. Laura, contre vous cette fois. 7000, 6500 si vous voulez. 6500, c'est 5, Alban Chevalier du Faux. 6500 à gauche là. 6000 enchères. Là-bas, à 6500. Guy, je vous laisse faire. 6005, à gauche l'enchère. À 6500, c'est vous qui l'emportez, Laura. Merci de votre aide. 6500, l'enchère est à gauche par Laura. On peut adjuger. Le fils de Lou Breton, pas de regret, à 6500 euros. Petit-fils d'Anaba, pas en face. 7000, on y revient. 7000, 7000 à droite, de nouveau l'enchère. À 7000 euros, mettez vos enchères. À 7000 euros, là, l'enchère. Mettez vos enchères. Voilà la jeune fille qui accompagne ce fils de Lou Breton qui porte. Pas là-bas, à 7000. Qui porte une doudoune contre rouge. Tout simplement la couleur de la casaque de la marquise de Moratala. Against you, sir. À 7000 euros, là, l'enchère. Pas là, pas là-bas. À 7000, oui, à 7000 euros, qui couvre l'enchère, on met 500 si vous voulez. À 7000 euros, Laura, je vous laisse faire. Fini, merci de votre aide, on peut adjuger, pas de regret. À droite l'enchère par Guy. Finalement, il va partir à 7000 euros, je ne sais pas. Guy, 7000. Pour qui? Le numéro. Alban Chevalier du Faux qui, selon toute vraisemblance, comment dire, soutenait le. Défendait. Poulain Alzan, né le 22. Défendait le. Hello! Ça. Les deux A, fille de Lou. Qui défendait le cheval, et là, il est parti. Les Tunisiens, les clients tunisiens. Donc, voilà. On a compliqué comme ça déjà, et d'ici 2 mois. Le voilà, le poulain de Barastré, regardez-le, poulain tonique, de l'épaisseur, il se déplace bien. Poulain né en février. Poulain intéressant. Rade Saint-Vincent venait d'en parler. C'est son premier produit. Présente ici le 96, un fils de Barra Strait, avec une mère par loup solitaire, souche d'obstacle, qui a produit Tukakas et Blingless, deuxième du camp Bacérès, Blingless, et lauréat du prix de Pépin Vaste. À 2000 euros, d'Enrique. Chez vous pour le moment à 2000, à 2000. À 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000, mettez vos enchères. 2, à 2000, 2, 3, 3 à droite, à 3000 Guy, à 3000 euros, 3000. Il y a Alzan, ce poulain, comme son père Barra Strait, fils de Baratea. 4000, à 4000 euros qui couvre. Qui est étalon d'obstacle, qui est le premier étalon d'obstacle de la catégorie des étalons de première production, c'est-à-dire donc les chevaux qui ont 3 ans cette année. 10 000, à haute voix l'enchère, 10 000. Puisque c'est le père de Barra Strait et le père de Baie des Îles qui s'est classé troisième du prix Congrès l'autre jour, il y a quelques jours. On est d'accord. Troisième de Cobrook. C'est 4500 euros en face. Voilà. 4500, on continue. Et d'un autre gagnant également. Contre vous, Guy. Et l'an prochain, Barra Strait sera 2000 euros poulain vivant. Il fera toujours la montre d'ailleurs au Haras des Sablonnais. 4500 à 4500. Premier produit d'une jument gagnante à 5 euros. Sylvain. 4500. Zarus. 4500 à 4500 euros qui couvre l'enchère de 4500. Maintenant, Guy. À 5000 euros. 5000 à droite l'enchère. À 5000 euros à droite de nouveau par vous, Guy l'enchère. Pas d'erreur. 5. On met 6. Qui met 6 à 5000 euros. À 5000 euros. 5. À 5000 euros. 5000. Le mal de Barra Strait à 5000.
à 5000 euros. À Barra Straight. L'enchère par Vougui, de nouveau l'enchère à droite à 5000. Et ce poulain-là est. Cette fois-ci à très épais. Votre enchère. Bah, Barra Straight, c'est un beau cheval aussi. Hein. Rien à gauche, dernière fois, dernier tour de ça. On va voir toutes ces photos sur sa page, sur France Tire d'ailleurs. 5000. Guy. Le numéro 97 est présenté par le Haras des Granges. Je t'attendrai. Pouliche B, né le 21 mars par Diamond Green et Lettre de Lune, fille de Cadoudal. Cette pouliche est vendue sans TVA. Eh oui, la voici. Je t'attendrai. Alors, est-ce que c'est pas une chanson, ça, Je t'attendrai, hein? La mère par Cadoudal a produit plusieurs bons gagnants, dont Je Trace, notamment. Je Trace. La Bostella et plusieurs autres. C'est une chanson, ça aussi, ou... Mercadoudal, donc. Je t'attendrai. Green Desert par Diamond Green. 5000, voulez-vous 5, 3, 3000. Allons-y. 3000. Non, il n'y a pas de chanson. À 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000. Il s'appelle Je t'attendrai, c'est marrant. Qui prend le relais, 3000. À 3000 euros, nous sommes maintenant 3, 4000 euros, nouvel enchérisseur. Il y a une poésie par Fred Charlet. Les yeux fermés, mon cœur ouvert, je t'attendrai. Comme prisonnier de ton mystère. Je t'attendrai tout en haut, car m'attendrai tout en haut. Oh, Je t'attendrai. Donc, par un poète, nommé par un poète, Mathieu Daguzan-Garros. Et qui est l'éleveur, qui est actuellement le propriétaire de Diamond Green, puisqu'il a acquis Diamond Green. Et qui est l'éleveur du père de mère Cadoudal. Ah, très important. Oui, monsieur. Eh oui. À m'embouche un coin. Ah, bah ça. Et donc, la mère, Lettre de Lune, elle a fait 9 produits en âge de coureur, 4 vainqueurs. Je Trace, donc, bien que par le catastrophique marathon. Elle a fait aussi la Bostella, bien que par le catastrophique marathon, c'était toujours le même, donc je vais changer. J'adhère, 3 victoires, samedi par Keltos, une victoire. 9500. Et on attend 2 ans, qui est un Diamond Green également. Ouais. C'est fait, à 10 000, à 10 000. Qui est à l'entraînement. Il faut mettre 11 maintenant, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros. Belle pouliche ici par Diamond Green, à 10 000 euros, 10, à 10 000 euros, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000, il faut mettre 11. Qui met 11? À 10 000, je vous laisse faire, appelez-moi, à 10 000. Allez, 1000 euros, l'enchère est à gauche par vous, Laura. On est d'accord? Laura, c'est là. Allez, 1000. Allez, 1000 euros, le marteau se lève. Je vais la juger. La fille de Diamond Green, Guy, contre vous. Merci. Et je ne suis pas peu fier de vous annoncer. Oh! 11 000. On va attendre l'enchère que l'espace membre. Nouveau. 1500. Et fini. Si vous voulez. À disposition, mesdames, messieurs. 1500 euros. Messieurs, applaudissements. À Jean-Marc Maléco, qui est notre webmaster, qui a beaucoup travaillé. Sous les ordres de son tyran, c'est-à-dire moi-même. Et donc voilà, le nouvel espace membre pour tous les gens qui ont des pages d'élevage, des pages étalons, des pages d'épourrage sur le site est prêt, avec beaucoup de simplicité. Ici, on voit Patrick Joubert à l'antenne avec beaucoup de simplicité, beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de nouvelles fonctions, beaucoup de facilité. Je crois que c'est Alban Chevalier Dufault qui a acheté le cheval. Voilà. De la Barbotière appartenant à magnifique Diamond Green d'ailleurs. Et pour les déboureurs, on peut avoir désormais les vainqueurs des bourrages. Je crois qu'on l'a demandé depuis longtemps, ça. Hein. Et oui. On peut ajouter des vainqueurs si des fois il y avait des vainqueurs qui auraient été oubliés. Pourtant, on les suit dans le monde entier, aux étalons, aux élevages, aux débourrages. On peut s'associer à des chevaux nouveaux. Par exemple, un éleveur, c'est bien Albin Chevalier Dufault, effectivement, qu'on voit ici, qui a remporté l'enchère pour le lot précédent à 10 500 euros. Nous l'avons ici à l'antenne, Albin Chevalier Dufault. Alors, où en étais-je? Par exemple, les éleveurs désormais qui sont sur France. Tiens, bonjour Patrick Joubert, comment ça va Patrick Joubert? Bravo pour la victoire à Auteuil, Patrick Joubert. Et oui. Yes, nous en avons effectivement. C'est bel et bien Albin Chevalier Dufault qui n'est pas flanqué cette fois-ci de Jamie Relton, pour lequel il a acheté le top price tout à l'heure. Donc, où en étais-je? Un éleveur qui a des chevaux. La mère et sœur de pour qui élève des chevaux pour d'autres personnes, par exemple, des éleveurs sans sol. Par exemple, le cas de du Haras de l'Hôtellerie, qui pour l'instant a le top price. Voilà. Et bien désormais, ils pourront, en tant qu'éleveur, si le top price gagne, l'Haras de l'Hôtellerie pourra s'attribuer ce cheval, même s'il n'a pas été élevé officiellement, même si le naisseur du cheval n'est pas eux. Si c'est lui qui avait élevé le cheval, il pourra s'attribuer ce cheval. À 5000 euros, bonne pouliche de My Boy Charlie, 5000. À 5000 euros, mettez vos enchères, allons-y, 5000. À 5000 euros seulement, nous sommes 5000, la fille de My Boy Charlie. Et si vous n'avez plus vos codes, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous contacter. Et puis voilà. En plus, maintenant, il y a un nouveau système très simple pour. Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez mettre que vous avez perdu votre mot de passe et il y a un système qui vous en renvoie un autre.
5000 euros seulement, 5000 à 5000 euros, allons-y, 5000, regardez là, 6 à droite, 6000 à 6000. Donc la My Boy Charlie à 6000 euros pendant ce temps-là. À 6000 euros, 6, 7, 7 maintenant, 7000, 7000 mon enchère. À 7000 euros par mois, l'enchère toujours à 7000. T'as déjà recommencé mon geste à l'américaine ? Hier. La caméra elle est là, Loïc. J'ai regardé dans le retour des jeunes journalistes. Oui, non, mais c'est la caméra qu'il faut regarder, mon vieux. Non, mais c'est pas moi Arnaud qui fait spectacle, c'est toi. Parce que depuis tout à l'heure, je sens que t'as envie de passer à l'antenne. Ah ouais, je vais passer dans le poste, moi. Alors, 8000 euros pour le 98 Singara par My Boy Charlie. Like Fleet par Fleet Lex, la dame by Stormcat. Très américain ce pédigré, en effet. La mère Like Fleet, qui a cours en France, est sœur de Max Pal. Un multiple gagnant de Listed aux États-Unis, un fils de Mark Tree, gagnant de 12 courses, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Listed. Qui couvre l'enchère de 11 000 euros. Bonne poulie, je le répète, de My Boy Charlie à 11 000. À 11 000 euros, le marteau se lève, pas de regret. 12, on y revient par mois, à 12 000. À 12 000 euros. Faisons un point sur les statistiques. 13, on met 15, 14. Merci de votre aide. Contre vous là. À 13 000 euros, c'est toujours mon enchère. Dernier pointage, justement, statistique. À 13 000 euros, on avait une moyenne qui était supérieure de 1 000 euros, déjà, par rapport à l'an dernier. Je vais la juger, rien à droite. Et après 100 passages, pratiquement. Pas de regret. L'enchère est là-haut. À 13 000. Bon, il y a eu beaucoup d'absents, mais dans quelques instants, dernière fois. Nous passerons le lot numéro 100. Alors, nous en sommes à 60, on a déjà 13 000 euros. C'est bien, 13 000. 19 est présenté. Qui a acheté 13 000 succession de M. Christian Henty. Oroncé, Poulain Green et le 13 à l'étage. Never on Sunday. Ah, monsieur qui lève la main. Ah, merde, comment il s'appelle ? Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Never on Sunday ici, la mère par Enrique. Hein ? Combien pour débuter les enchères ? Oui, bien sûr, je l'ai dit discrètement. Merde, oui, comment oui. Il s'appelle ? Mais je savais très bien, je contrôle mes faits. C'est pour que vous puissiez profiter des coulisses. Un peu, hein, du stress du journaliste, du blanc à l'antenne, de l'horrible doute qui m'habite. Never on Sunday, gagnant de l'Ispahan. Pendant ce temps-là, c'est toujours pas comment il s'appelle. Par contre, il faut parler longtemps. Oui, 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 bien pour sûr. Animer, pour animer, pour. Entre-temps, c'est entre-temps pas pendant qu'on est en train de tourner les pages. Non, Armangol. Guy Armangol. Guy Armangol, oui, qui habite dans la principauté d'Andorre. D'Andorre. Ouais, je vois. Alors, nous en sommes à 76,32% de vendus, ce qui est un pourcentage de vendus tout à fait remarquable. 75% au marteau plus. Mais il y a un seul amiable pour l'instant, 1 000 euros. Ouais. Donc ça fait 76,32 contre 61,29 l'an dernier. Donc une progression quand même tout à fait conséquente. Le prix moyen est à 6675, quasiment la même chose que tout à l'heure quand on avait fait le premier point à quelques dizaines d'euros près. Et contre 5600 euros l'an dernier. En 2013. Donc une progression de un tout petit peu moins de 20%. 1500. Quant à la médiane, nous en sommes à 5000 euros, comme tout à l'heure. Alors qu'en 2013, on était, comme tout à l'heure, à 4500 euros. Donc des indices qui sont au vert. Le marteau se lève, pas de regret. Dernière fois à 1500. Fini, je peux la juger. On la juge. On la juge. 1500. Bon, c'est pas lui qui va remonter la moyenne. Tandis que j'ai l'honneur, le XTCR, de pouvoir te donner les merveilleux flyers. De l'orme, pouliche fabriqué par Anne-Lise, par Diamond Bowl, car Lolita de l'orme. A noter que Yeshan est également la mère de Geronimo Delorme, qui s'est placé à 6 reprises à 3 et 4. J'en profite entre deux lots, hein, parce que je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, mais juste. Augure à Auteuil. Juste, voilà, je vais fixer. Exactement. Nous allons distribuer les merveilleux flyers. Le voilà. Geronimo Delorme. Voilà, voilà, voilà. Les merveilleux flyers, en fait, non, ils sont dans ce sens-là. Hop, le cheval passe. C'est vendu sans TVA. Et avec il y a le truc à l'arrière qui a été préparé par Annelise de Gorgeux, qui fait tout, Annelise, hein, parce qu'elle fait pas la vaisselle, par contre. Mais par contre, là, elle est en train de faire la caméra. Elle roule aussi. Excellent. Et donc, qui nous annonce que l'espace membre, le nouvel espace membre, est désormais prêt. Il est désormais actif. Vous allez pouvoir vous éclater, vous amuser, vous envoyer en l'air grâce à Francir. Si, bien sûr, vous avez une page d'élevage développée, une page d'étalon ou des bourrages développés, bien entendu. Il faut être dans le club. Ah, parfois, dans le club. Mais pensez plus en principe cher à une contribution minime, symbolique. Le numéro 100. 1000 euros qui m'appelle, 1000, 1000 euros, allons-y, 1000, 1000 euros, 1000 euros seulement, 1000 euros. Une fille de Diamond Boy. Lilimon de l'Orme, présentée par le Hara de l'Orme. Dans l'Orme. Chevaux dans la famille. Non, près d'un Orme, sans doute. Appartenant à Martine Gobert.
Belle souche, hein, c'est la souche de Tango de l'Orme, un Limnos qui a été deuxième de la grande course de l'ED 80 à Cagnes-sur-Mer. C'est l'oncle alors, de cette Turing. Ouais, alors que c'est la souche maternelle, alors ce n'a strictement rien à voir, la souche maternelle, le Seal Slew, Lomond, Seattle Dancer, qui fut le Seattle Dancer. Un des yearlings les plus chers de son époque, 13 millions de dollars, Seattle Dancer, lorsqu'il fut vendu sur le ring. Ce frère de Lomond des Seattle Slew par Nijinsky, il a fini sa carrière, c'était un gain groupe 2, Seattle Dancer, il a fini sa carrière des talons en Allemagne. Rapidement, s'il vous plaît, à 2000 euros. 2000 euros pour le numéro 100, Lilimond de l'Orme, une souche d'obstacle, un modèle de modèle. 500. 2500, à 2500, à 2500 euros contre... Une push fit déjà. À 2005, à 2500... Elle est fit à well. Sur l'espacement, vous pouvez tout changer. Les jumenteries, les plans de montre, les naissances, mettre des photos, changer les textes, présentations, tout. Les vainqueurs, les ventes et concours, vous avez la main sur tout et c'est très simple. Se lève, enchère à gauche. Un jeu d'enfant. Ajouter les juments, en retirer d'autres. Ouais, même moi j'y arrive. 101 est absent, nous passons au numéro 102 présenté par... Alors, les 101... Il n'y a pas de 101. Donc on va passer à Match My Heart. Par Héliostatic, présenté par le rat du taillis, Bernhard Wenger. Le Suisse-Allemand, c'est bien cela? Exactement. Bien. Magic Artist, la mer, par Art Sebal, qui fit la montre dans les Vosges. Voilà, un étalon. Oui, il fait la montre dans les Vosges, Art Sebal. Voilà. La famille de Magic Play, fille de Deploy, qui a gagné. Listed à Sterbrick en Belgique, mais aussi deuxième du prix du FAE ici, au Lion d'Angers, sous la casaque de Bernard Geffroy. 3000 euros, 3000 à grand-mère. Famille d'Eric, non pas Soderberg, mais Eric Soberg, avec Montemiro, Miss Gobotten, Mirio qui avait gagné le Grand Prix de Saint-Cloud, un grand cheval alezan avec deux balzanes blanches, qui avait gagné le Grand Prix de Saint-Cloud monté par un tout jeune à l'époque, Christophe Soumillon. C'était sa dernière course sous l'entraînement de Jean-Michel Le Chouberski, car il a explosé des deux jambes dès le lendemain. 1000 qui m'appelle. Mettez vos enchères s'il vous plaît. 1000 euros, Guy l'enchère. 1000. Ah, 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros seulement. Mais celui-ci n'est absolument pas alezan. Il est bai, brun même, comme vous pouvez le constater, sans une once de blanc. Quelque part 1000. Ah, 1000 euros, c'est vu. 500. 1500, à 1500, à droite l'enchère, à 1500, 2000 maintenant, à 2000, à 2000, à 2000, à 2000 euros de nouveau à droite l'enchère, par vous et contre vous, 2000, à 2000, 2500, à 1500, toujours, à 2500, Guy, c'est vous, pour le moment à 2500, 2500 et rien à gauche, à 2500, à 2500 euros, 2005, à 2500 euros qui couvre l'enchère de 2500 vues, à 2500 c'est vous Guy l'enchère toujours, à 2005, 3000, nouvel intervenant à 3000 par vous. Alors. Pendant que les jeunes vont prendre une pause, les vieux tiennent la barre. Rien à gauche, 3000, à 3000 euros, 3000 euros vus, à 3000 euros cette fois-ci, c'est contre vous. 3000 euros le Héliostatic, non, 3005, une nouvelle enchère. Pouliche intéressante ici, la mer était une excellente jument de course, à 3500 seulement nous sommes, 3500. Guy, c'est vous, à 3005, à 3500 euros le marteau se lève, je vais l'adjuger, c'est contre vous Marion, je vous laisse faire. À 3500, on essaie 4000 si vous voulez. La mer a gagné 9 courses à 3500 seulement nous sommes. 3500, je vous laisse faire. À 3500, c'est Guy pour le moment. À 3500, le marteau se lève, je vais l'adjuger. Dernière fois, on met 4000, on essaie. Elle se déplace bien la pouliche. À 3500, pas de regret. On essaie 4000. 4000, 4000, mon enchère. 4000, Marion votre enchère. 4000, à 4000, 4000 cette fois c'est moi. À 4000, Guy contre vous. À 4000, 4000, à 4000 euros l'enchère est là, cette fois-ci je l'adjuge, pas de regret. Le marteau se lève, fini, dernière fois. On adjuge. 4000, monsieur Sauvaget, merci monsieur. Ah, Olivier Sauvaget qui vient d'acheter pour 4000 euros. Maginem, poulain béfoncé, né le. La fille d'Héliostatic. Maintenant on va passer à Maginem, fils de R. Eminem, cheval japonais par Danehill, la mère Magimourien par Majorien, grand-mère par Double Bed. Elle est présentée par le rat de Fresnel Buffard et c'est la famille de Jim Anthony, grand voyageur, vainqueur à Hong Kong, où nous allons nous rendre cet hiver, mois de décembre. Ce sera la première grande sortie exotique de Loïc Stecher. De Jim Anthony. Le grand voyageur Jim Antonic de Montréal. On va emmener chez les masseuses nocturnes et qu'on ne ramènera donc peut-être pas. Ici. Combien pour débuter les enchères? 10, 8, 5. Chut, maman, écoute. 5000, mettez vos enchères. À 5000 euros, regardez-le. 5000. À 5000 euros, bon poulain d'Ereminem à 5000. Donc, Ereminem, oui, c'est effectivement la famille de Jim Antonic qui fut un héros. Et c'est aussi la famille de Morala Cana, première gagnante de groupe 1 de Mutatir. Mettez vos enchères.
septième début de carrière en France avant de gagner Groupe 1 aux États-Unis. Oh, quel modèle! Mais quel monstre! Quel monument que ce 103 Maginem! La mère Magimourien a gagné à Deauville et nous propose ici son deuxième produit. S'il vous plaît, à 2000, à 2000 euros, 2003 à gauche maintenant, 3000, 3000, Laura maintenant à 3000, 3000 euros. C'est un beau cheval. À 3000 euros, le cheval, le fils d'Air Eminem, petit-fils de Daniel, à 3000 seulement, nous sommes, mettez vos enchères, 3000, à 3000, oui, à 3000, à 3500, 3500, 3500, Guy, de nouveau chez vous l'enchère, 4 maintenant, Laura, 4000, allons-y, 4000, à 4000 euros, 4000, à 4000 euros, 4500, 4500, 4500. À 4500 euros, regardez le poulain, regardez le fils d'Air Eminem, petit-fils de Daniel, à 4500. Laura, contre vous, 4500. À 4500 euros, l'enchère à droite. Ça, c'est un beau cheval. Magnifique poulain que ce fils d'Air Eminem. Qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 4500 euros, vu. Donc la mère, elle est sœur de 5 vainqueurs. Non, elle est sœur de 4 vainqueurs, puisqu'elle-même est lauréate. C'est donc la famille de Jim Tonic, Moral Acana et Petit Calva. Cheval de course ici, que ce Maginem. À 5000 euros la l'enchère, pas là-bas, pas là. Laura, contre vous. Que fait-on? Laura, merci de votre aide. 5000 euros l'enchère est à gauche cette fois-ci, c'est à droite, pardon, par vous Marion, contre vous Guy. À 5000 euros, 500, 5500, on y revient. 5500, 5500, à 5500 euros, toujours à droite l'enchère à 5500. À 5500 euros, voulez-vous 6 quelque part? À 5500, à 5500 euros, toujours là, c'est Guy qui l'emporte, 6000 maintenant. À 6000, on y revient par vous, Marion, l'enchère 6000. À 6000, toujours 2 à droite maintenant, à 6000. À 6000 euros, l'enchère est là et on va juger, pas de regret. Le fils de R. Eminem, dernière fois, pas de regret, contre vous Guy cette fois. L'enchère par vous, Marion. On peut juger ? On la touche. 6000, Marion. Le numéro 104 est présenté par le Hara des Flags, Risk Major, poulain B foncé né le 8 mars par My Risk et Major's Love, fille de Majorien. Le voici, le mâle de My Risk. La mère par Majorien a gagné à 4 reprises, gagnante à Paris, gagnante à Saint-Cloud, placée à Longchamp. Bonne Alors, course. Le 104. Magnifique de Test Creek par My Risk, le père de No Risk at All, évidemment. La mère est de nouveau une mère par Majorien. Ici, c'est un fils. Parlons-en. C'est un fils de My Risk. Alors, My Risk, il va faire la monte l'année prochaine au Hara du Grand Chenet, tout près d'ici, à 15 minutes, près de Château-Gontier. Et My Risk, qui est le père de Noris Catole, bien sûr, le frère de Nickname, qui produit, qui saigne tant de juments, Noris Catole, 130 là, en 2013, 131 cette année. Et My Risk est aussi le père de Sire de Grugy, hein, le Sire de Grugy est champion d'un obstacle né à côté de Sonnen Ponce, pas loin d'ici. 1000 euros, 1000, à 1000 euros, 1000, qui couvre l'enchère de 1000 euros, 1000, à 1000 euros, l'enchère est à droite, à 1000 euros, 2000, à 2000, à 1000. 1500, 1500, à 1500, 1500, à 1500, il se déplace bien ce poulain, 1500, à 1500 euros, 2000, oui, 2000, mon enchère, 500 à droite, à 2500, à 2500, l'enchère à droite maintenant, à 2005, à 2500, 3000 maintenant par mois, l'enchère de nouveau à 3000, à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 euros, poulain intéressant, je le répète, à 3500, 4000, Marion, 4000, à 4000 euros qui couvre l'enchère de 4000 euros, pas là-bas, pas là, 5000, non, 4000. 4000, c'est Marion, on est d'accord. 4000 euros. 4000, 500. 5000, 5000, c'est moi. 5000, c'est mon enchère. À 5000 euros. Pas là, pas là-bas. 5000. À 5000 euros, qui couvre l'enchère de 5000 euros, le fils de Madris. Poulain intéressant, je le répète, à 5000 euros. 5000 euros. Là-bas, l'enchère. À 5000. À 5000 euros. À 5000 euros. La mère a gagné 4 courses. 500, très précoce, elle a gagné sur 900 mètres. À Saint-Cloud. On est d'accord. 5005. À 5500. Que fait-on? La famille de Belle du Brésil, Floresta, Welcome Millennium, Verba, sous la quatrième mère. Alors sous les trois premières mères, il n'y a pas de black type, certes, mais des vainqueurs et encore des vainqueurs, puisque sous la deuxième mère a donné 7 vainqueurs. Monsieur Conmarnan. Ah, Conmarnan de nouveau, qui, le numéro 6, accompagné de son épouse, de freiner le buffard, s'attribue pour 5500 euros. Le numéro 104, voici le numéro 105 à suivre. Un fils de Fingrain, étalon japonais, présenté par l'aura de freiner le buffard. Fingrain et Mamaria par Bering. Alors Fingrain est un jeune étalon japonais dont les premiers produits ont 2 ans. Famille de Kananizi, Kalura, une souche à Gakan à la base. Et la mère est par Bering, Mamaria.
produit déjà donc un gagnant. C'est le deuxième produit, le premier a gagné deux courses. Un fils de Pyrrhus, il a gagné deux courses en Espagne, il s'appelle Checo. Et plusieurs autres bons chevaux. Combien pour débuter? 3000. Voulez-vous 3 000 euros, le poulain de fine graine à 3 000 euros, mettez vos enchères. 3 000, à 3 000 euros qui m'appelle, 3 000, 2, voulez-vous 2, allez 1 000 euros, 2, 2 000 euros, quelque part à 2 000 euros, 2 000 euros, 2, 2 000 euros qui m'appelle, 1 000 euros, 1 000, à 1 000 euros, 1 000, à 1 000 euros, allons-y, à 1 000 euros, 1 000, à 1 000 euros, faut débuter, 1 000, qui m'appelle, en face de moi, alors j'ai pris 1 000 en face, 500 si vous voulez, 500, 1 500 là-bas, 2 là-bas. 2000, là l'enchère, en face, à 2000 euros, 2000, pas là-bas, pas là, 2000, à 2000 euros, 2000, à 2000, 2000, à 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros, le mal de fine graine, à 2000 euros seulement, nous sommes qui met 500, mettez vos enchères, à 2000, 500, 2005, à 2500, on essaie 3000 si vous voulez, 2500 euros, l'enchère est à droite par Guy, pas d'erreur, 2500, premier produit gagnant, 2500 euros, nous sommes fils de fine graine, mère Bering. À 2500 euros, l'enchère est là. Guy, c'est vous, on est d'accord. 2500, à 2500 euros qui couvre l'enchère de 2005, pas là, pas là-bas, à 2005. À 2500 euros, oui, à 2005, 3 maintenant, on y revient, 3000, à 3000. À 3000 euros qui prend le relais, à 3000, à 3000. À 3000 euros, toujours à droite, l'enchère à 3000 par Bouki, pas d'erreur. 500, 3500, 3500, à 3500, on continue, à 3500. Allons-y, 3005, à 3500 euros qui couvre l'enchère de 3005, Guy. Tout est chez vous, à 3500, pas là, rien à gauche, à 3005. À 3500 euros, le marteau se lève. Je vais l'adjuger à droite l'enchère à 3500. Pas de regret en face. À 3005, dernière fois, fini. À droite, 4000. 4000, on y revient. 4000, 4000. 4000 euros toujours à droite l'enchère à 4000. Oui, à 4000 euros, je vais voir à gauche à 4000. 4000, à 4000 euros, le marteau se lève. Guy, chez vous l'enchère à 4000. 500, 4500, 4500 euros, 4005, 4500, toujours à droite l'enchère à 4500, qui couvre l'enchère de 4500, qui met 5 à 4500, vu à 4500 euros, le marteau se lève et on va l'adjuger, pas de regret, à 4500 euros, par vous Guy l'enchère, dernière fois, fini, on l'adjuge, 4500, Guy. Donc voilà, 4500 pour le poulain de fine grain, joli poulain alezan, Balzane 3, cheval de roi. Pouliche Alzane né le 25 mars par Médécis et Mandalay, fille de Golnayev. Bon, alors ce sont des chevaux qui ne valent pas 15 000 euros, hein, ça c'est clair, sur le papier comme ça, ce sont des chevaux qui, voilà, qui sont dans leur marché. Muriel ici, Benko, très gros. C'est le marché habituel Lyon d'Angers. Tu t'as fait sa mère, on a dit, l'éleveur. Il y a toujours des grands commentateurs qui font des discours dithyrambiques, mais un discours des fois en dit long. 2000 belles pouliches ici, à 2000. À 2000, vous devez très bas, la fille de Médicis. Voici un fils de Médicis, une fille, pardon, de Médicis. Médicis qui va mettre un terme à sa carrière des talons publics l'année prochaine. Il continuera de saillir de façon privée, mais bon, il a une santé un peu chancelante. À droite en chair à 1000. Toujours l'envie, hein, mais physiquement, c'est un peu compliqué. On vous l'a dit à 1000. À 1000, nous sommes dans 1000, en chemin dans 1500. Il y a eu un accident au niveau d'une rotule il y a quelques années et il en souffre de plus en plus. Présenté par le haras de la Hardonnière, appartenant à Mathieu Boutin. Moniwa, Médecis, talon qui fait beaucoup de gagnants à 2 ans. Mais pas que, parce qu'il c'est le père de Palaudio par ailleurs. Et gagnant d'un père d'un gagnant de groupe 1 en Australie, December Draw, gagnant des Turnbull Stakes. La famille de Zvedov, Zain Aydboden, Golani, Carla. On retrouve des souches de Claude Cohen, avec des chevaux entraînés par Élie Lelouch. Mandalay, la mère était toute bonne, 2 victoires. 2500, alors là, à 2500, nous sommes à 3000 euros. À 3000, nous sommes maintenant à 3000, excellent, super tête, back tête aussi à 3000. Voilà, Mandalay était entraîné par Joël Boinard. Mathieu Boutin est un ami assez proche de Joël. À 3000. Peut-être pour cela qu'il a pu récupérer la poulinière. Claude Cohen qui a disparu, malheureusement. En face, à 3000. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui faisait élever ses chevaux, Claude Cohen. Marche bien à 3000. Parce qu'il était éleveur de tous ses produits, il faisait élever ses chevaux à Molière, juste à côté d'ici. C'est la famille paysan. Molière, c'est un lieu dit. 500, 3500, 3500 l'enchère maintenant, 3500, vous l'avez presque là. Vous avez failli l'avoir, 3500 l'enchère. 3500, 4000 l'enchère. 4000 l'enchère maintenant, 4000, n'oubliez pas le bon croisement, 4000, 4000, Machiavelli ignoré, a fait 4000. Fini à gauche là, à 4000, merci pour votre aide, 4000, Bagui l'enchère. On est juge. Merci Guy, 4000 euros.
Le numéro 107 est présenté par l'élevage de Freinet appartenant à Yves Le Chevalier. Mathéori, poulain alezan né le 3 juin par Vatori et Mathéa, fille de Panis. A noter que Mathéori est le premier produit vivant de Mathéa. Ce poulain est vendu sans TVA. Et les inbred de Mr. Prospector, faut noter, mesdames et messieurs, la mère gagnante elle-même, la grand-mère, et bien, Sept Tiger, l'arrière-grand-mère, mère aussi de Sept Tiger. Combien votons ici la famille Battle Wagon? Alors, un modèle complètement différent que celui de... C'était pas cher, quand même, je trouve, moi, le 106, 4000 euros, le Médicis. C'est un bon étalon, quand même. 1000 euros, voulez-vous maintenant 2000, 1000. Alors, Mathéori, c'est un Vatori et Mathéa par Panis. 1000 euros, à 1000 euros maintenant, à 1000, que des gagnants dans le... Présenté par l'élevage de Freinet, pas Freinet le buffard, hein, Freinet, F-R-E-S-N-E-Y. Allons-y, les enchériseurs. Vatori et Mathéa par Panis. 1000 euros, 1000 à droite, l'enchère maintenant à 1000. À 1000, nous sommes maintenant... La mère est une sorte de nuit des rois, 10 victoires, 92 000 euros de gains. Pareil, des chevaux de course dans cette famille, des chevaux de course, des chevaux durs. Et c'est la souche basse, c'est assez marrant ça. Corazzoa qui a gagné les 5e mères, elle a gagné les aux. Et c'est la arrière-grand-mère de Matao qui a gagné le Grand Prix de Paris en ancienne formule sur 3000 mètres, qui est devenu un excellent étalon d'obstacle. 1000 euros de dernière fois. Dernière chance. Mais là, non, Vatori, ça. 1500, voulez-vous? Non, 1000. On est juge. Merci, Guy. 1000 euros. Vatori, c'est pas facile à vendre. Alors, Jemel Vittori, le grand retour, nous propose un mâle de Orpen, le père de Vorda. Le 16 avril, par Orpen et Maya. Petit-neveu de Marble Garden. Cheval qui n'était pas du tout né pour sauter et qui pourtant sauta puisqu'il s'est imposé dans le prix Guillaume de Pracontal, liste d'Auteuil, ainsi que dans le prix Marc-Anthony, une autre liste d'Auteuil. C'était sous la casaque, alors je sais plus si à quel moment c'était le passage et tout, enfin sous la casaque de Sean Mulryan. Premier roi de la mer, par le père de Torres-Rallac. Celle d'Hervé Barjot. Marble Garden, donc. C'est le premier produit de sa mère par Cockney Rebel, sachant que la mère n'a pas couru. Mais le défi de Maya de la Louse qui a gagné deux courses. Allez, c'est parti pour le 108, présenté par Jemel Vittori. Un mâle de Orpen. Allez, 1500, 1005, nous sommes maintenant 2000 enchères. À 2000 euros, je t'en tiens, contre vous là, monsieur, 2500, nous sommes. À 2500, Marian. À 2500, 3000 euros maintenant, 3000, vous voulez là, monsieur. À 3000, vous voulez pas, 4000, monsieur, 3000. 4000, vous voulez maintenant, 3500, vous voulez voir alors. À 3000, 3000 enchères ici à gauche, à 3000. À 3000, nous vendons toujours pas d'erreur à 3000. À 3000, d'une fille de Cockney Rebel et d'une fille des Selkirk aussi à 3000. À 3000 enchères maintenant, à 3000. À 3000, joli poulain, à 3000, très beau, à 3000. Et pas cher du tout, à 3000. À 3000, nous vendons à gauche là, 3000 enchères. À 4000 à droite, nous sommes maintenant à 4000 là. À 4000 enchères à droite, à 4000 et plus vous là. À 4000, 5000 enchères maintenant. 4500, nous sommes. À 4500, 5000 enchères. À 5000, nous sommes à 5000 par le tout bon. Orpen à 5000 enchères, 5000 nous sommes. À 5000, petit-fils, le grand petit-fils de Danzig ici, 5000 nous sommes. À 5000 enchères maintenant, à 5000. Tout se passe à droite ici, rien en face, rien à gauche là. À 5000, vous voulez pas mettre 500? À 5000, nous sommes 500, voulez-vous? À merci pour votre aide, à 5000 enchères. À 5000, nous sommes à droite, à 5000, dernière fois, dernière chance. À 5000, on va te juger alors, à 5000, fini là, 5000 euros. On va te juge. Qui, merci beaucoup, 5000 euros. Le numéro 109 est présent. 5000 euros. Barbotière appartenant à Olivier Tricot. C'est le prix un petit peu en dessous du prix moyen. Je vous rappelle que le prix moyen d'aujourd'hui, il est en 6600 et quelques euros. A noter que son frère Mango Cap compte une victoire et une place en trois sorties. Il a remporté le prix AXA Assurance à Cholet le 19 octobre. Donc son fils est une famille très vivante. Le 109, donc Medjay, enfin le fils de Medjay, la fille de Medjay décidément par Turtle Ball. Père des classiques. Et sœur de Mango Cap. Et Mango Cap, à Zambezison, a gagné récemment une bonne course à Cholet. Donc voilà un turtle, une Turtle Ball, la mère par Kendor. Alors ça, c'est un vrai produit du hara de la Reboursière du Montaigu, parce que Turtle Ball filamente là-bas, ainsi que Kendor, le père de mère. Le poulain nous est présenté par le hara de la Barbotière, dans la Sarthe, Verle, et le cheval appartient à Olivier Tricot.
Oui. La pouliche, je vais y arriver. Souche, une vieille souche Strauss, puisqu'on trouve sous la troisième mer. Fortune's Wells, Libertine, Armless Albatros, Volochine. Et en fait, il y a une famille aussi, c'est une souche qui s'est développée aussi dans le giron de Khalid Abdullah, puisque la troisième mer, Northfarland, la propre sœur, la sœur utérine, pardon, de Infragreen. Gagnante du prix Ganet, notamment. Tout au fond dans le coin là, à 2000, le son ne vend pas d'affaires à 2000, à 2000, méfiez-vous, on va te juger, alors à 2000, Marthe se lève. Alors Turtle Ball a fait des débuts tonitruants en France, Ouara, parti après au Japon. Sa cote commerciale est un peu en creux de la vague en ce moment, c'est sa dernière génération française. 500, 2005, 3000, à 3000, le son plus vite s'il vous plaît, à 3000, à 3000, 3000, 3000, l'enchère, mais vous laissez partir alors, à 3000, le son maintenant, 3000, mon enchère, toujours à 3000, on peut la juger là, fini là. Nous allons en passant, c'est sûr, 3000. L'enchaîne dans le passage là. Plus loin à gauche, à 3000, rien à droite, à 3000 euros. On la juge. Tout au fond dans le coin là, 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 3000. Merci beaucoup. Le numéro 110 est présenté par l'écurie d'Euro, Durcash, Poulain QPS B, né le 25 février par Blue Brésil et Meralda, fille de Baby Turk. Ce poulain est vendu sans TVA. Pour la solide ici du propre sœur Cash, donc une famille française que connaissez très bien. Déjà frère d'un vainqueur, le fils, le petit-fils de Smadoun. Combien de temps, on débute à 2000, allons-y, 2000, 2000, voulez-vous, à 2000, 2000, marche bien, 2000, 2000, vous pouvez débuter, allons-y, action fluide des 2000, à 2000, 1000, 1000, 1000, mettez vos enchères, 1000 euros, 1000, le petit-fils bleu, le Smadoun ici, à 2000, 2000, 1000, 1000 euros, 1000 à droite, 1000 le sort, à 1000, 1000 enchères maintenant, à 1000 euros, 1000, 2000, 2000 enchères maintenant, 2000, à 2000 enchères en face, à 2000, Marion, c'est votre enchère, à 2000, pas Marion, l'enchère maintenant, 2000, et plus vous la guie, à 2000, à 2000, 2000, le sort maintenant, 2000, c'est loin d'être son prix, à 2000, s'il vous plaît, mettez vos enchères. 3000 à gauche, 3000, 3000, 2500, 2500, nous sommes à 3000 enchères, à 3000, nous sommes à 3000, 3500, 3500, à 3500. Alors, le numéro 110, AQPS, présenté par l'écurie d'Oro, il s'appelle Durcash. Durcash, comme ça nous rappelle bien sûr un nom célèbre, celui de Urcash. À droite, l'enchère mise maintenant à 5000, 5000 enchères, 5000, 6000. Et d'ailleurs, la mère, Meralda. 7000, 7000 euros maintenant. C'est une propre sœur de Urcash. Alors pourquoi on parle d'Urcash? Les deux chevaux sont pas en baby turc. Urcash, parce que c'est un grand sauteur, Urcash. Gagnant deux fois du prix de Beaune à Anguin, gros quintet, listed. Deuxième de la grande course de printemps, groupe 3. Enfin voilà, un vrai cheval de course. Auteuil-Anguin, il faisait les deux. Quintet est un peu mieux. Ça, ça vaut un peu d'argent, ça. Blue Brésil, la mère par baby turc, c'est un grand cheval. Un peu présenté brut de pomme, là. Grand cheval bébrun. Ça, c'est un cheval pour les Anglais, ça. Un cheval qui marche très bien, qui, une fois qu'il aura gagné une course à 3 ans, voudra beaucoup, beaucoup d'argent. Pour, à vendre pour les Anglais. Il en a le profil toujours. C'est pour ça que les prix montent là assez facilement. 15 000 enchères. À 15 000, 15 000, vous connaissez très bien la famille. À 15 000, à 15 000, nous sommes dans 15 000, 16 000, voulez-vous ? À 15 000, 15 000, 15 000 enchères. Pas gauche, tu se passes à gauche. À droite, pas Guy, maintenant à 15 000. À 15 000. Qui prend le relais maintenant à 15 000 ? À 15 000 seulement. Vraiment beau boulot ici. À 15 000, 16 000, la grosse enchère maintenant, 16 000. À 16 000, 16 000. Plus vous là, Guy ? Contre vous à 16 000. Bon, enchère à gauche à 16 000. 16 000. 16, 17. 17 000 enchères maintenant à 17 000. À 17 000 enchères. À 17 000. Une excellente famille maternelle à 17 000. À 17 000. La mère et soeur de Urcash. À 17 000. 17 000. L'enchère maintenant à 17 000. Plus vous à gauche là, Laura. 17 000. Rien en face. À 17 000. À 17 000. 18, 18. L'enchère maintenant à 18 000. Arrondissez s'il vous plaît. À 18 000. Pour la voir. À 18 000. Vous ne voulez pas mettre 20 pour la voir. À 18 000. L'enchère maintenant à 18 000. 18 000. À 18 000. 20 000. 20 000. L'enchère maintenant à 20 000. À 20 000. Le fils de Blue Brazil. À 20 000, 2, voulez-vous encore maintenant 20 000, voulez-vous pas mettre 2 maintenant 20 000 ah. 20 000, 20 000, l'enchère maintenant 2, voulez-vous... Le Brésil qui a eu ses premiers 3 ans cette année, il a fait des vainqueurs. Ici, sur cette piste d'ailleurs, Babylone Demot, un élève maison, qui a gagné de façon impressionnante en plat avant d'être vendu à William Mullins. Fini à gauche, fini en face, l'enchère 20 000. 1000 euros, on la juge. Qui, merci beaucoup, 20 000 euros. Ah. Le numéro 111 est présenté par le haras de la Barbotière pour cessation d'élevage de François Marchal. Asladin Pouliche B, né le 22 avril par Muémine et Mitsalsa, fille de King Salsa. 20 000 euros, j'essaie de repérer qui. Nous avons un certificat de la clinique équine des brosses
datant du 30 octobre, certifiant que la pouliche a été soignée pour une plaie du canon face dorsale de l'antérieur droit. Je vais les voir. C'est un petit bourgeon responsable d'une déformation sous la peau qui ne gênera pas le cheval dans sa future carrière de course. Petite fille des Happy Indy d'une sœur du Don Salsa. Don Salsa, grand vainqueur à Longchamp. Très bon sang ici. La seule par Mouhaïdine dans le catalogue. Combien faut-on ici? On débute à 2000. Vous 2000, voulez-vous 2000? Mettez vos enchères à 2000. À 2000 euros maintenant, à 2000. La petite fille de champion étalon, Happy Indy, 2000, 1000, voulez-vous maintenant à 1000 euros? C'est Guillaume Macaire. Voilà, Guillaume Macaire qui a acheté son deuxième produit Plavo Brésil par Blue Brésil. Il en avait acheté un pour 8 ou 9 000 euros un peu plus tôt dans l'après-midi. À 1000, allons-y les enchères, à 1000 euros pour débuter. Guillaume Macaire donc qui a acheté Durcash, le numéro 110, pour 20 000 euros. 4 vainqueurs. À 1000, nous sommes maintenant à 1000, allons-y, à 1000 euros, à une enchère à droite, à 1000, nous sommes au premier rang là, à 1000, nous sommes maintenant à 1000, allons-y, à 1000, suivons s'il vous plaît, à 1000 euros. Alors, Asladin, une fille de Muaïmine qui fait la montoire à des faunes chez Alain Chopin, présentée par le rat de la Barbotière. La mère est par King Salsa. À 1000, c'est bien vu, à 1000 euros pour la juger. On va juger alors, à 1000 euros le marteau se lève. Méfiez-vous, on va juger cette fois-ci à 1000 euros. L'enchère au premier rond là, 1000 le somme, dernière fois là, dernière chance. On les juge. Merci monsieur, au premier rond, 1000 euros. Marion. Ah ouais. Le numéro 112 est présenté par le Hara. Parce que la grand-mère c'était bien Mizan quand même. Enfin non, elle a produit Foutzan qui a gagné 5 courses. Latecomer, Poulain B. Famille de Thiboutzan. Thiboutzan, j'aime bien, elle était chez Linders, je m'en rappelle. C'était son arrière-grand-mère. Ouh là, ça ne rajeunit pas. Passons la page. Latecomer, un fils de Redback. Redback qui va faire la monte au Hara de la Rosière en Saline l'année prochaine. Présenté par le rat de la Barbotière également, comme tout à l'heure, pour la cessation d'élevage de M. François Marchal. Et 2000, oui, 1000 pour débuter. Mizan, bah en fait, c'est l'oncle du lot précédent. Parce que le lot précédent, Asladin, était par la mère Mitsalsa par Mizan. Et celui-là, il est directement par Mizan. Par contre, le père, c'est Redback. Vainqueur de 5 courses chaque. 1000 pour débuter, allons-y, à 1000 qui a 1000. 1000 euros, voulez-vous maintenant à 1000? Mettez vos enchères, s'il vous plaît. À 1000, mesdames et messieurs, 1000 à droite, l'enchaîne maintenant à 1000, la mère est déjà mère de 80 cœurs, 1000, à 1000, l'enchaîne maintenant à 1000, l'enchaîne aussi. Ah, oh, 1000 le sommes maintenant, merci, en face à 1000. 1000 euros maintenant à 1000, 1000 le sommes. À 1000 sur le marché maintenant à 1000 euros. À 1000 le sommes maintenant à 1000, le fils en Redback ici à 1000 euros. Et pas cher du tout, mesdames et messieurs. À 1000 euros, le frère de 3 vainqueurs de 5 cochers. Oh, bah, on a fait tomber le marteau pour la nièce à 1000, et là pour l'oncle, ça va être. À 1000 euros, on va juger alors. À 1000 euros maintenant, on finit là. À 1000 le on va juger à droite dans ah non! 1500. Ah bah 2000, oh là! À 2000, l'enchère, je crois que Guy maintenant à 2000. 2000 qui m'appelle maintenant à 2000. 2000? Non, j'avais 1500 là. Par Sylvain, c'est par vous, 1500, oui, c'est ça. À 1500, vous ne pouvez pas mettre 2000, à 1500 l'enchère. À 1500, nous sommes maintenant à 1500, l'enchère à gauche là. À 1500, plus vous là, monsieur là. À 1500, l'enchère ici, à 1500, vous ne pouvez pas mettre 2000, 2000 l'enchère. À 2000, nous sommes maintenant à 2000. À 2, l'enchère maintenant à 2000. À 2000, quand vous là, Sylvain, 2000 l'enchère à droite ici, à 2000. À 2000, nous me remettez-en une là, s'il vous plaît, à 2000 euros, fini là. À 2000, nous sommes maintenant à 2000, c'est fini. À 2000, on peut être jugé, alors à 2000, le matin se lève là. À 2000, l'enchère ici, à droite, à 2000, dernière fois là. Chance, dernière chance, à 2000 nous sommes, fini Guy, à 2005, 2000 ski, l'enchère, 2500, 3000 euros, à 3000 nous sommes maintenant, à 3000 Guy, contre là, à 3000, mon enchère encore, à 3000 euros maintenant, à 3000 l'enchère maintenant, à Marie en l'enchère, à 3000, à 3000, 3000, fini là, à 3000, merci vous Guy, à 3000 nous sommes, dernière fois Guy, à dernière chance, à 3000 euros, votre enchère monsieur. On la juge. Marion, votre enchère là-bas. 3000, merci monsieur. Le numéro 113 est présenté par le Hara des Embruns. Il s'agit d'un poulain B né le 16 mai par King Salsa et Mini Penny, fille de Pennécamp. Joli poulain, déjà bien développé. Il est né au mois de mai. Belle arrière main, mesdames et messieurs. Action énergique, famille précoce. Donc 3000 euros pour le précédent, maintenant on va passer à King Salsa, le 113, souche précoce effectivement la famille de Masselia,
1000 pour débuter. C'est Thierry Grandcir, c'est l'éleveur de Massélia, un fils du. Voilà. Un fils de King Salsa, donc. Mini Penny par Penkamp et Massellum. Mini Penny a gagné, à North sur Erdre. King Salsa. Pas fait de gagnant encore. Porto Santo aussi à 1000. Profil précoce pour ce. C'est épais, présenté par, donc, par le Haras des Embruns qui se situe dans la région nantaise. À 1000, nous sommes deux places à 2 ans cette année. À 1000 euros. À 1000, nous sommes maintenant 1000, une seule enchère. Une 1000 enchères. 1000 euros, c'est bien vu. 1000 euros. C'est vraiment pas cher du tout, mesdames et messieurs. 1000 euros nous sommes et on va juger alors. 2000 en chemin dans 2000. Ah, 2000 nous sommes dans 2000. Ah, 2000 euros. Ah, 2000 euros en chemin dans 2000. Plus vous la guillez à 2000. Ah, 2000 nous sommes. Vous voulez pas ma 500 dit. Ah, 2000 nous sommes dans 2000 à gauche. En chemin pas Sylvain maintenant en 2000. Ah, 2000 en chemin dans 2000. Ah, 2000 n'attendez pas, s'il vous plaît. Ah, 2000 on va juger alors à 2000. Dernière fois, dernière chance. Ah, 2000 pas Guy l'enchaîne, pas Sylvain l'enchaîne. Ah, 2000 nous sommes dernière fois là. On va juger. On la juge. Merci Sylvain, 2000. Pas cher du tout, merci beaucoup et bonne chance. Pas cher du tout, John O'Kelly, l'Irlandais. Toujours enthousiaste cet Irlandais. Colette François. Il en vend des chevaux, il en vend à Newmarket, Tattersalls, il en vend à Baden-Baden, il en vend ici. Le 114 est absent, désormais c'est le 115. Une fille de Satri et monotrope par Philanthrope. C'est franchement assez étonnant, Philanthrope qui est très très peu présent dans les. Dans les pédigrés, cheval qui a fait la monte quelques saisons seulement dans la plus grande discrétion aux haras nationaux. Donc c'est Colette François qui nous présente en plate et en obstacle cette pouliche qui s'appelle Astriana. Elle a une tête un peu à la Chamardal. De Smooth Yadil ici à 1000 euros. 1000 euros, la fille de Satri, c'est 1000. La bonne famille de Princesse d'Anjou, Brille, 1000, preneur 1000 euros. Mettez vos enchères. 1000 euros, voulez-vous? À 1000, preneur 1000. À 1000 enchères, l'enchère, mettez vos enchères ici autour à 1000 euros. À 1000 pour débuter. Allons-y, les enchériseurs. À 1000. Regardez comme elle est née. Elle est inbred de Mr. Prospector. Elle est petite fille de Mujadil ici à 1000. À 1000 de la toute proche famille ici aussi de Princesse d'Anjou. À 1000. À 1000 pour débuter maintenant. À 1000. Voulez-vous maintenant, 1000, c'est bien vu. 1000 euros. Dernier tour d'horizon ici à 1000. Fini là. 1000 euros. À 1000. Fini là. À 1000, nous sommes. Non, c'est sûr. 1000 euros. Non, l'eau suivant. Non, pas d'enchère. Bon, bah, ça triste. Désolé, mais l'eau suivant. Oui, bah, l'eau suivant. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Manche Atlantique, le haras des Embruns, on le retrouve appartenant à David Le Texier. Femelle de Literato et Mongari par Johan Quatz. Literato. Il y a un article il n'y a pas longtemps sur France Cire pour parler de Literato qui fait une excellente saison avec ses deux ans. Ça c'est joli ça le 116, une solamelle. Minute de Libel. Mongari par Johan Quatz, donc je le disais, Mongari, la mère a gagné trois courses. Elle a gagné à cran le prix Rondamère. Et elle a donné deux vainqueurs pour cinq produits en âge de courir. Donc Mezzo Tinto par pourtant Fairly Ransom qui a gagné trois courses. Et Minute Libellule, une femelle de Black Dawn qui a gagné deux courses à Vichy et à Marseille. À 1000, la petite fille Kendor ici à 1000 euros. À 1000, à 2000. 2000 en chair maintenant à 2000. À 2000 en chair. À 2000, nous sommes suivants. À 2000. 2000 en chair maintenant à 2000. À 2000. 2000 en chair. L'éternateur ici à 2000. À 2000, nous sommes maintenant à 2000. 3000 euros. Ça, c'est joli ça. Chair maintenant Melting Pot aussi à 3000. À 3000, 4000. 4000. 3500. 3500 en chair. À 3500. 3500, nous sommes maintenant à 3500. À 3500. 3500, allons-y à 3500. À 3500, pouliche ravissante ici à 3500. À 3500. Tête fine, élégante à 3500. Nous vendons toujours pas d'erreur. À 3500. 3500. 4000, voulez-vous? À 3500, l'enchère à droite. 4000 l'enchère. À 4000, approche sœur des minutes. Les libules, 4500. 4500. 4500, nous sommes. Les bellules, 4500. 4500, l'enchère. 5000 l'enchère. À 5000, nous sommes à 5000. À 5000. 5000 enchères, 5500 à gauche, 6000 enchères. Voilà, et sans surprise, cette pouliche de Literato qui a vraiment le profil d'une bonne pouliche, même si elle a 6000, voilà, 6000. Pas beaucoup d'os, hein, ça faut l'avouer, mais bon, on va pas lui demander, non plus lui demander d'affronter les obstacles d'Auteuil, hein, c'est pas du tout le but de l'opération. Les enchères montent, 6500 euros. À 6500, 7000 euros. À 7000, déjà bien développé. À 7000, 7000 en somme. À 7000, l'enchère à gauche. À 7000, à 7000. Mais qu'est-ce qu'elle est ravissante, cette pouliche?
et pas cher du tout. 7500, 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
vainqueur deux fois, une Roar Rook. C'est la toute proche famille. Il est parti au Maghreb depuis Skin Games. C'est Pulich, né au mois de mars. Le fils de Dictate qui avait gagné le Edmond Blanc. Qui n'a pas été suivi par les éleveurs, c'est d'où les raisons de son départ. Vainqueur de groupe 3. Premier produit, son Yearling. En attendant. Mais il arrive. Avec de l'envergure, cette pouliche-là, joli modèle, elle marche bien en plus. On débute à 2000, allons-y, 2000 pour débuter très bas, 2000, voulez-vous, 2000, qui a 2000, donnez-moi 2000, quelque part, 2000, 2000, 1000, 1000 euros. À 1000 pour débuter très bas, la petite fille à droite enchaîne à 2000, à 1000, à 1000, nous sommes maintenant à 1000, la petite fille de Dictate, le père de Dream Ahead, champion sprinter à 1000, 1000, nous sommes maintenant à 1000 euros. À 1000, 1000, 1000, 2000, 2000 à 2, 3000 à gauche, à 3000, nous sommes à Laura, à 3000 enchaîne maintenant à 3000, pas Laura maintenant à 3000, ok Laura, c'est pas vous là, Laura à 3000, 3000 enchaîne maintenant à 3000, plus haut à droite, à 3000, excellent polish ici à 3000, à 3000, nous sommes 3000, quand tu veux la guille, à 3000, mon enchère à gauche là. À 3000, 3000, 3000, enchère maintenant à 3000. À 3000 dans le même robe que Dream Ahead à 3000. À 3000, nous sommes à 3500, voulez-vous guille, à 3000 enchères. À 3500, voulez-vous maintenant à 3000, 3000, 3000 enchères. À 3000, mettez-vous, remettez-vous une là. À 3000 enchères à gauche à 3000. À 3000, nous vendons dessus, je perds à 3500, 3500, nous sommes 4000, 4000, 4000, 4000 enchères. À 4500, 4500, 4500 enchères. À 4500, il marche très bien cette bouliche là. À 4500, 4500, c'est des places bien aussi. Alors, le 119, donc Satanta par Skin Games. Il ressemble beaucoup à son père et à son grand-père, Dictate. La mère est par Desert Style. Le père de Caradac, Desert Style, qui fait la monte en Espagne, à Deza de Milagro, là où Dictate a fini sa carrière des talons. À 6500, 7000 velours, à 6500, 6500, 6500, nous sommes. À 6500, 6500, on remet sur une là. À 6000, on remet sur une 7000, 7000 euros. À 7000, nous sommes maintenant à 7000, 7000 enchères. À 7000, nous sommes maintenant à 7000, 7000, nous sommes. À 7000, la sœur des jeunes d'une vainqueur à 7000. À 7000, la toute proche famille ici aussi de Hurtamber. À 7000, 7000 enchères à droite, à 7000. Farsi vers l'enchère maintenant à 7000. À 7500, voulez-vous? À 7000, nous sommes maintenant à 7030, vous voulez l'Aurore à 7000. Fini là, merci Audrey de l'enchère à droite ici à 7000. Jolie, jolie pouliche ici à 7000. On peut vous la guiller à 7000, l'enchère à droite par Sylvain. À 7000, nous vendons pas d'erreur. Cette fois-ci, pas d'erreur et non, à 7000 euros. On est juge. Allez, on est juge. Donc à 7000 euros, le 119. Le numéro 100. Présenté par la marquise de Moratala. Maintenant, c'est Divine Béré, une fille de Hurricane Cat, et Nofa Béré par Trampolino. Sur du plastique, mesdames et messieurs, regardez la profondeur. Belle pouliche qui se déplace très bien. Alors, Nofa Béré, donc la mère, elle a fait Audace Béré, une Hurricane Cat, donc propre sœur aînée, dont la. Donc, je vais y arriver. Audace Béré a été deuxième des 1000 Guinées du Kazakhstan. Ainsi que du derby du Kazakhstan. Ce qui est, hein, le small derby, c'était le petit derby. Apparemment, c'est pas le grand derby. Je suis pas un spécialiste des courses du Kazakhstan, pour tout vous dire. On peut se douter, enfin, il n'y a même pas de doute d'ailleurs, que c'est Guillaume Gors qui avait acheté Audace Béré pour son important client kazakh. Beaucoup de chevaux qui partent au Kazakhstan. Acheté pour peu cher, mais parfois pour cher également. On l'attend. La famille de Magnetic Miss, Hydro Power, San Pedro, Deposit Express. Petite fille de Stormcat. Voilà, elle arrive. Le 120, voilà. Bonne pouliche, se déplace bien. Bon, comme j'ai déjà dit, elle est sort d'une place classique. Combien de temps on débute à 2000? 2000, voulez-vous? 2000, qui a 2000? Donnez-moi 2000, 2000, pour débuter 2000, 1000 euros, voulez-vous 1000 en face, à 1000 le seul. À 1000, 1000 en chemin maintenant, à 1000, à 1000 dans le même rang que 1000, 2000, 2000 de Stormcat, de 2000, à 2000 à droite. Voilà donc. 2000, à 2500, 2005. Voilà, la voilà. Divine Béré, par Hurricane 4. Cheval qui s'impose sur les plats et sur l'obstacle. Il a 3500, voulez-vous? On pouvait avoir du mal à imaginer de la part d'un fils de Stormcat avec une mère pour la blushing. Mais pourtant, c'est le cas. C'est le père d'Extrême Cara. Il gagne groupe 1 dans le prix combat serré.
intéresse. 4, d'autres bons sauteurs avec N4. 4500, nous sommes à 4500 en face. 4500, 4500, Guy, c'est grand trou là. 4500, belle bouliche, se déplace bien, bien profonde là aussi. 4500, 4500, regardez là. 4500 à droite, 4500, nous sommes Guy, c'est plus haut là. 4500, l'enchaîne pas marré en toujours maintenant. 4500, nous sommes. 4500, c'est votre enchaîne là en face. 4500, 4500, 4500, nous sommes. 4500, nous vendons toujours plus en 4500. Et donc c'est le haras de la N1. Nous sommes 5500, 5500 l'enchère. À la Régnier, qui est l'hôte de Eric N4, qui nous présente son produit, son élève. Il porte la signature Béret. À la Régnier, qui est autour du ring, là. Alors Jean-Claude Roger n'est pas là, mais si c'est Jean-Claude Roger qui achète, il débaptise après systématiquement. Il achète beaucoup de chevaux chez l'araignée, il les débaptise, comme d'ailleurs le Master Blaster, qui s'appelait je sais plus quoi Béret, qui a été le deuxième top prize des ventes de Breeze Up d'Ozarus cette année, à Pornichet, et qui a donc été débaptisé. 7005 même pour le numéro 120, Divine Béret, qui marche très bien, très volontaire. À 7500, 8000, voulez-vous? À 7500, voulez pas mettre 8000? À 7500, fini? Oui ou non, la Laura? À 8500, 8000, l'enchère, merci encore. À 8500, 8500, 8500, 8500, l'enchère. À 8500, 9000, voulez-vous encore maintenant? J'ai aperçu tout à l'heure Guillaume Gorce, d'ailleurs. Je vous rappelle que Guillaume Gorce avait acheté sa sœur, Audace Béret. Oui, 509. Propre sœur, American Cat, qui a bien marché au Kazakhstan. Là, on voit Bertrand Le Métayer, Nicolas Bertrand Balanda et Emmanuel Chevalier du Alban Chevalier du Faux autour près de l'entrée du ring. À 10 000 en face, à 10 000, 10 000, 11 000, voulez-vous encore maintenant? Remettez-en une là, monsieur, 10 000, à 10 000, 100, 11 000 pour l'avoir. À 10 000, 10 000, enchaînez, vous l'avez presque là. À 10 000, 100 maintenant, à 10 000, arrêtez pas, s'il vous plaît, à 10 000, 11 000, voulez-vous maintenant, 10 000, allez-y. À 10 000, come on, I buy your dinner. À 10 000, ça va dans 10 000, 11 000, voulez-vous encore maintenir, on est enchaîné ou pas? À 10 000, merci votre aide quand même, à 10 000, à 10 000, dernière fois, dernière chance, là, à 10 000, nous sommes en face, l'enchaîne à 10 000. On le juge. Merci beaucoup, votre aide, monsieur, 10 000 en face. Le numéro 121. 10 000 en face. Le numéro 122. Je suis curieux de savoir qui a acheté. Docteur Bérès, peut-être? Désinvolte, Poulain B, né le 21. Non, pas le docteur Bérès. Early March et Omarie. Ce poulain est vendu pour 34% sans TVA. Early March, c'est un beau mâle ici devant vous qui se présente bien, un vrai pédigré. Des beaux tissus avec une mère qui a 5 victoires, qui a déjà produit un vainqueur. C'est seulement le deuxième produit de la mère ici. À combien débutons un poulain qui marche bien? Combien débutons? 5, 3, 3 qui débute 3. À 3 000 euros qui débute les enchères de 3 000 euros, 1 000, 1 000 qui débute 1 000. Voilà Emmanuel Vio, en discussion avec 1 000 euros, Harley Mash, 1 000 euros, 1 000 euros qui débute 1 000 euros, à 1 000 euros qui Bertrand Le Métayer, à 1 000 euros. Tandis que l'acheteur, un vrai poulain, un cas du cadre ici, à 1 000 euros qui débute 1 000. Je ne le connais pas. À 1 000 euros qui débute les enchères. Bref, passons non pas au 121 puisqu'il est absent, à Désinvolte, le numéro 122. On est quasiment à la fin, hein, puisque ça va s'arrêter au 1000, maintenant c'est votre enchère. Au 135. Donc Désinvolte, une fille de de Early March, au mari, si tu savais. C'est la même, 2000 euros. Tout le mal que l'on me fait. 1500, 1500. La mère au mari, donc gagnante de 5 courses. 2000 euros, c'est vous, oui. Un obstacle. 2000 euros. À 2000 euros, j'ai maintenant 2000 euros votre enchère ici, là. À 2000 euros. À 2000 euros, Laura, allez-y, je vous entends plus, je veux 500, si vous voulez au moins. À 2000 euros. À 2500, bien sûr. Et avec Early March, elle a déjà donné un Plora, une femelle de 3 ans qui a gagné cette année. À 2500 euros. Nous avons ici donc le propre frère d'une gagnante, un Plora. Le premier produit est vainqueur. À 2500 euros, essayez 3000. À 3000, 3000, 3000. À 3000 euros, j'ai l'enchère maintenant, 3000 euros. À 3000 euros, 3, 4, maintenant 4000, 4000. À 4000 euros, votre enchère ici, Laura. Alors celui-là, il n'est pas signé Early March, il est chic poulain. Cheval qui est beaucoup plus grand et élégant et. Je suis reparti avec vous, Laura, à 4000 euros. À 4000 euros, c'est bien mieux. Qu'à l'habitude, les Early March souvent sont des chevaux assez épais, noirs. 500, lui, c'est pas le cas. 500 euros. C'est léger comme ça, mais très joli, beaucoup de race. À 5000 euros. 5 000, du scope, comme ils disent, tête expressive. À 6000 euros. À 6000 euros l'enchère. Joli cheval. Enchère, Laura, 6000. 6000. À 6000 euros. À 6000 euros, 500, si vous voulez, 500 pour l'emmener. À 6000 euros l'enchère est là-bas. À 6000 euros, c'est bien vu, pas de regret. À 6000 euros l'enchère, à votre enchère, Laura. À 6000 euros, un vrai chic poulain ici, à 6000 euros. Le fils d'Early March dans le scellé dernier, la mère, 5 victoires, qui a produit un gagnant déjà. Et on parle seulement de 6000 euros. À 6500.
À 6 500 €, bien vu, pas d'erreur. À 6 500 €, c'est là. À 6 500 €, votre enchère. À 6 500 €, bien vu ici devant moi. À 6 500 €, ici l'enchère. À 6 500 €, fini le rang. À 6 500 €, bien vu, pas d'erreur. Le marteau peut se lever. À 6 500 €, pas de regret nulle part. À 6 500 €, bien vu, votre enchère devant moi. À 6 500. On la juge. 6 500, votre enchère ici, merci. Le numéro 123 est présenté par le GFA Près du Roi. Voyage enchanté, poulain noir pangaré né le 20 mars par Pierre Gint et partie majeure, fille de Annabelle. 6 500 € pour le 122. Il est pile poil dans la moyenne parce que la moyenne est de 6 600 €. Devant vous, le petit Le vendeur, l'acheteur est juste à côté de la victoire. Deux en âge de courir et déjà un vainqueur qui a trois victoires. Juste devant le ring au premier rang. Green Zinaba. Bon croisement ici. Croisement qui a fonctionné. La mère derrière, Linamix se retrouve derrière. Pergin. Combien débute ton chic? Le GFA Près du Roi nous présente un cheval. 1 000 €. Ah bah tiens, on va voir l'acheteur du lot précédent. Alors je ne le connais pas personnellement. J'ai maintenant Sylvain, votre enchère, 1 000 €. Pardon, Guy, votre enchère, 1 000 €. À 1 000 €. Le voilà. 1 500, si vous voulez, 1 000 €, j'ai 1 000 €. 1 000 €. Voilà le jeune homme qui est à gauche et qui a été rejoint par Roger David Simon en direct. Roger David Simon, bien sûr, c'est le hara du SAS qui présentait le lot précédent. 2 000 €, 1 000 €. À 1 000 €. Le 123, mal de Pirguin, c'est la mère Paranabablou. 1 000 €. Je vais laisser déjà gandé dans son modèle, il va sûrement pas se vendre. Enfin, pas se vendre cher en tout cas. Présenté par le GFA du Roi. La mère est par Linamix quand même. C'est la famille de Zinaba d'ailleurs. Zinaba qui lui-même est un fils de Annabablou. Zinaba, le meilleur produit d'Annabablou après Spiritone, peut-on dire, en tout cas en plat. Puisque Zinaba a gagné plusieurs reprises des groupes 2, le prix du Muguet, le prix Daniel Wunenstein, fils de Annabablou. Donc on a retrouvé le croisement de Zinaba avec une mère par Annabablou. À 4 000 €, Guy, votre. Et donc c'est un poulain de Pirguint qui fait la monte au hara de la N9. Voilà, le père flamboyant, Pirguint, le père de flamboyant, la mère de victoire qui a produit un vainqueur. On parle de 4 000 €, un chic poulain bébrin, 4 000 €, c'est bien vu. À 4 000 €, votre enchère, Guy, pas d'erreur. À 4 000 €, c'est bien vu alors. À 4 000 €, dernière fois, dernière chance, 4 000. À 4 000 €, regardez se déplacer, 4 000 €, Fresh Biller, non? Laura, je sais vous, non? 4 000 €, alors on est là avec Guy, pas d'erreur. Le marteau va se lever à 4 000 €, le fils de Perrine. À 4 000 €, bien vu. À 4 000 €, personne en face ni à gauche. À 4 000 €, l'enchère pour Guy. À 4 000 €, on a juge. 4 000, Guy, merci. Le numéro 124 est présenté par HSV Agency, Hara de Saint-Vincent. Perfect Angel, poulain noir pangaré né le 30 avril par Lou Breton et pas seul. Une vraie famille verte-mère ici qui arrive. Alors, devant vous, la mère Iron Mask, le fils de Lou. Voilà, 4 000 € pour Voyage Enchanté. C'est seulement le troisième produit de la mère. Alexandre Deschers ici, l'éleveur des mômes, mon môme notamment. De jeu de Golikova. Un vrai pédigré ici, famille impressionnante, un télo, un licenseur. Et voilà une bien jolie, un bien joli poulain par Lou Breton, le jeune étalon. Qui démarre. 5 000 du hara de Saint-Vincent. À 5 000 €, 3 à 3 qui débute. La mère pas seule par Iron Mask. Une vraie souche verte et mère, effectivement, c'est la famille d'occupantistes. Première ligne ici, 1 000 €. À 1 000 € de impressionnante et donc de un télo. Phénomène, un télo. Gagnant du jockey club. Troisième de la poule d'essai du Jacques Lemarrois. Télo à 1 000 € plan. Ça, c'est une vraie souche. À 1 000 € seulement. À 1 000 € la mer est gagnante. Seulement le troisième de la mer. À 1 000 €, il y a un Le Havre derrière. À 1 000 €. À 1 000 €. 2 000 maintenant. Pas seul à gagner. Cette fille d'Iron Mask, étalon de précocité. 1 500. Gagner un Fontainebleau. Bien sûr, si vous voulez maintenant 1 500. C'est le troisième produit de la mer. Juste avant, il y a une 2 ans par Le Havre. Et après, il y a de nouveau une foule par Le Havre. 2 000 à 2 000 maintenant. À 2 000 euros, j'ai maintenant Guy, votre enchère de 2 000 euros. 2 000 euros. À 2 000 euros maintenant, 500 ici et 500, j'ai 2 000 euros. À 2 000 euros, 2 000 euros maintenant, Guy, votre enchère, 2 000 euros. À 2 000 euros, allez-y, Laura. 2 000, 3 000 maintenant. À 3 000. 2 500, 3 000. 3 000. À 3 000 euros, j'ai en face de moi 3 000. À 3 000 euros, mon enchère, 3 000, 3 000 avec Sylvain, 3 000 euros. À 3 000 euros, il y a les 3, 4 maintenant. À 4 000, 4 000. 4 500 ? 4 500. 4 500 euros, l'enchère pour Guy, 4 500 euros. À 4 500 euros. À 4 500, c'est là-bas. Voilà Guy Blasco. Vrai pilier, Lou Breton. À 4 500, c'est Guy, votre enchère. À 4 500 euros, 5, maintenant j'ai. À 5 000.
4500, j'avais déjà 5000. 5000 4500, c'était Guy. 5000 si vous voulez. 5000 4500, 4500, 5000 si vous voulez, Sylvain au téléphone. À 4000, 5000, j'ai 5000 bien sûr. Sylvain au téléphone, voilà, il y a un auctionneur qui a un client directement au téléphone. 5000 euros, regardez les pédigrés, 5000 euros. La famille Vertemer, 5000 euros. La mère gagnante, à 5000 euros. À 5000 euros l'enchère est pour vous, Sylvain. C'est quand même pas cher ça, parce que c'est vraiment un joli poulain, bien développé, bien épais. Non plus, à 5000 euros, fini là-bas. À 5000 euros, le marteau va se lever alors pour un chic poulain de loup breton. Fils d'Anaba à 5000 euros. Bien vu, pas d'erreur, à 5000 euros. On a vu Sylvain, votre enchère, 5000, merci. Le numéro 125 est absent, nous passons au numéro 126. Ah, c'est la dernière ligne droite, il en reste plus que 10 à peine. Puisque le 125 est absent, on va passer au 126. Fille de Puy d'Or et la mère par Ungaro à QPS. La famille de Souet, Up to You. La mère Peps a gagné deux fois. La mère Ungaro, Panorama, un obstacle. Un vrai pédigré. Elle a 3 ans par Puy d'Or. Famille d'Up to You, Souet, Oiseau de Nuit, Upperling. C'est un vrai pédigré sauteur devant vous. Puy d'Or qui fait des shows magnifiques. Très coursier comme ça. Combien débute-t-on? 5, 3, 3, 3, 1000, 3, 3, 1000, 1000, 1000 euros. Alors une souche qui a été exploitée sous Cadrige du Marais, la troisième mère qui a été exploitée notamment par Guy Cherel qui avait récupéré la souche. La fille de Puy. Ça a bien marché. Souhait, une fille de Califette qui a été la première fille de Califette. Regardez le papier maternel. A gagné beaucoup de courses, notamment le prix des Iéna, le prix Magne, le prix Sagan, Auteuil à 3 ans. Ça a fait le prestige de Califet. À 1000 euros, bien vu. Dès son lancement, dès le lancement de sa carrière. C'est aussi la famille de Oiseau de Nuit. 1500 euros maintenant, votre enchère, Laura. Cheval qui a fait une grande carrière en Angleterre. 1500 euros, à 1500. Essayez 2000, Guy. Allez, on avance. J'ai 1500 à gauche. À 1500 euros pour la fille de Puy d'Or, la mère Ungaro, en vrai pédigré, la mère est gagnante de. Victoire, seulement le deuxième produit de la mère, la famille d'Up to You, soit Oiseau de Nuit, à 1500 euros. À 1500 euros, c'est bien vu, pas d'erreur, votre enchère, Laura. À 1500 euros, pas de regret nulle part. À 1500, je vous entends plus, Guy. À 1500 euros, l'enchère, Laura. À 1500 euros, le marteau va se lever. Dernière fois, dernière chance pour une chic pouliche qui a beaucoup de classe, du modèle. À 1500 euros, bien vu. À 1500 euros. On a juste Laura, 1500, merci. Le numéro 127 est présenté par le hara de Nonant-le-Pin. Bon. Majestic Wind, Pouliche Alzane, né le 5 avril par Majestic Wind. Alors, on va passer dans un registre radicalement différent. Le hara de Nonant-le-Pin. Vendu pour 50% sans TVA. L'éleveur de Saunois. Le premier produit ici, Olivier Corbière, le hara de Nonant-le-Pin. Nous présente une fille de Majestic Missile. Alors là, on arrive dans le registre du pur sprint. La famille de toujours le prince. Multiple vainqueur de groupe, Majestic Missile en Angleterre. Et aussi en France, puisqu'il a gagné le petit couvert sur 1000 mètres. 3, qui débute droit, 1000 euros, 1000 euros, qui débute 1000, 1000 euros, 1000 euros, qui démarre les enchères, 2000, 1000 maintenant, l'orage et votre. Et c'est la souche maternelle de Apollonia. Donc là, ça remonte un peu au calendrier grec, Apollonia, une fille de Djebel, sous la quatrième mère, Korejda. Korejada, là, c'est les années 60, Apollonia. À 2000 euros, 2005. Gagnante du Morny, du Grand Critérium face au mâle, de la poule laissée des pouliches, du Diane. À 1500, Laura. C'est également la famille de Caradac, Méandre, Gritandre. 2000 euros maintenant, j'ai 2000 euros. À 2000 euros, 500, essayez Laura. À 500, j'ai 2000 euros avec Laura, essayez 500, Marion. À 2000 euros. À 2000 euros. 2000 euros. À 2000 euros, 2000 maintenant, 500 pour vous. On est là. 2500 euros. Eh oui, on est là. C'est maman qui est derrière, là, tiens, justement là. Qui tient les comptes, peut-être encore. Et voilà, il est 17h53. Et dans, allez, une petite quinzaine de minutes, nous allons boucler. Cette première journée, on va se retrouver demain à midi. Aujourd'hui, ça commençait à 13h, mais demain, ce sera à midi. À gauche, à 2500 euros pour une chic pouliche. À 2500 euros, le marteau va se lever alors. À 2500, regardez le pédigré tout de même, du black tag partout. À 2500 euros, la petite fille de Royal Applause. Majestic Missile qui a fait des gagnants de groupe. Balicita, Katla. À 2500 euros seulement, qui essaye 3000, Marion, essayez 3000. À 2500 euros, alors le marteau va se lever. À 2500 euros, votre enchère, Laura, 3000. Ah, c'est pas fini, il y a une enchère à 3000 euros, deux dernières secondes. 3000 maintenant, 3000 euros. À 3000 euros pour vous, écoutez-vous, 3000, 3000, bien vu. À 3000 euros, c'est pour vous, Laura, l'enchère. À 3000 euros, le marteau se lève alors. À 3000 euros, bien vu, pas d'erreur dans la salle. À 3000 euros, Laura, votre enchère. À 3000 euros, on la juge, Laura, 3000, merci.
Alors, maintenant, on va voir la vérité. Bon, on n'a pas vu le modèle encore, mais le 128, c'est une fille de Ken d'Argent. Ken d'Argent fait partie des... Bonjour. Ken d'Argent fait partie... Je dis bonjour au lad qui présentait le cheval. Fait partie du trio magique avec Siyuni et Le Havre, une fille de Ken, qui sont capables de faire flamber les enchères en France, mais avec une clientèle aussi internationale. La mère est par Victorino, étalon sérieux. Ken d'Argent, alors une grande pouliche, légèrement un petit peu loin. Peinte célèbre. Mais voilà, une grande pouliche qui est déjà grande et qui sera grande dans le futur sans doute. Combien débute-t-on ? La mère Pictures of Cindy a donné 4 points d'honneur du courrier, un vainqueur, 10 000 euros, très en obstacle, avant de mourir. In a lonely place. C'est son nom, In a lonely place. Dans un endroit seul. 5, 3, pour les et du coup, il en est mort. C'est la famille de Pawnees, c'est la famille de 3 000 pétroleuses, de peintres célèbres, et donc de, j'ai oublié son nom, c'est ça, protectionniste, le récent vainqueur de la Melbourne Cup, le fils de Monsoon. Plus récemment, et de façon moins exotique, Hampton Mays, un fils d'Exitonware, a gagné 4 courses en obstacle et était 3e du challenge de VD4 ans en gain de liste. À 4 000 euros, on y revient avec Laura, 4 000 euros bien sûr, 4 000. Regardez le pédigré, le fils de Ken d'Argent. Et la pouliche s'appelle Kitty Is Innocent. À 4 000 euros, regardez la production de Ken d'Argent cette année, Kebella, Ken 13, à 4 000 euros seulement. À 4 000 euros, c'est bien vu l'enchère, 4 000 euros, c'est Laura, bien vu. À 4 000 euros. À 4 000 euros, 5 000 si vous voulez, la famille pétroleuse, Ken d'Argent, 5 000, 5 000 euros. On parle bien de la même chose, le numéro 128, et on parle de 5 000 euros, la fille de Ken d'Argent. À 6 000 maintenant, à 6 000 euros, c'est là, 6 000 pour vous, 6 000 euros. À 6 000 euros, 7, et si vous voulez 7, maintenant 6 000. À 6 500, 7 500, 5 500 euros si vous voulez, 5 500 pour aller à 6 000. 5 500 euros. À 5 500 euros, c'est là l'enchère pour vous, Laura. 5 500. À 5 500. Elle est jolie, hein. D'argent. Comment elle s'appelle déjà ? Ma mère a produit vainqueur. À 5 500 euros. Kitty is Innocent. On parlait plutôt de la magnifique spotteuse. À 6 000 euros maintenant. Laura, je crois. 6 000 euros. À 6 000 euros. La famille. Qui nous a dit que finalement l'enchère était à 5 500, mais l'enchère a été contrée. Elle est désormais à 6 000 euros pour la fille de Ken d'Argent. 500, essayez Laura. À 500, allez-y, faut pas laisser faire. J'ai 6 000 euros moi. À 6 000 euros. À 6 000 euros, essayez 500, Laura. Bien vu. À 6 000 euros l'enchère, elle est alors à droite. À 6 000 euros l'enchère à la tribune, pas de regret. À 6 000 euros dernière fois. À 6 000 euros, c'est bien vu alors. À 6 000 euros qui continue, 500. Laura, 500, essayez. Allez les chercher, les 500 euros. À 5 000. Allez les chercher. Euros, alors, l'enchère est ici, pas d'erreur. Facile à dire, difficile à faire. Il va se lever. À 6 000. Le marteau se lève, il menace. Et Laura est parvenue à arracher les 500 euros. 7 000 euros. Ils la font repasser devant, mais seulement pour un instant. Car on a répondu de tac au tac de l'autre côté de la piste. Et c'est à 7 000 euros désormais que l'enchère culmine. Pas de regret, à 7 000 euros. Fini Laura, dernière fois, à 7 000 euros l'enchère ici. À 7 000 euros le marteau se lève. À 7 000 euros. On la juge. 7 000 euros. C'est Nataf, merci. Ah, Paul Nataf. Le numéro 129 est présenté par le haras de Précolette, appartenant à... Entouré d'un Maléco, aéropage tunisien. Le 12 février par... Ça fait des années qu'il travaille pour les Tunisiens, Paul Nataf. De Chichi Castelango. Alors, Maléco, comme le webmaster célèbre de Esprit Digital qui travaille pour Francir et qui vient de mettre au point le nouvel espace membre, tellement plus beau, tellement plus simple, tellement plus tranquille. Les 129 s'appelle Maléco, c'est un fils de Soul City et Place des Vosges par Chichi Castelango. Place des Vosges est une jeune poulinière qui nous présente ici son deuxième produit. Et Place des Vosges est la sœur de Berkouchi. 1000 euros, bien vu Laura, votre enchère. Tout petit cheval gagnant du prix Hérode et du prix Djebel. À 1000 euros, une enchère, 1000 euros. Qui fut étalon d'ailleurs. Très précoce, 1000 euros. La descendance de Comtesse de Loire, grande championne des années 50, Comtesse de Loire, gagnante du Saint-Alary et deuxième du prix de l'Arc de Triomphe. Ainsi que du Diable et du Vermeil. Donnez-moi du et des Washington DC. Elle était tout le temps deuxième. À 2000, bien vu Laura. À 2000 euros, on y est. À 2000 euros, maintenant 2000 euros. Voilà, Soul City. Jeune étalon, le premier fils de Elusive City qui fait la monte en France. Il est installé au Haras du Saz.
petit fils et les Six City 3000 mère Chichi Castenango 3000 à 3000 j'avais 2500 à 2500 euros à 2500 euros aussi et 3000 qui m'appelle 3000 j'ai entendu à 2500 à 2000 3000 à 3000 euros bien vu Marion 3000 euros à 3000 euros plus fort les enchères à 3000 euros à 3000 euros qui continue à 3000 euros qui est-ce qui me met 4000 à 3000 euros j'ai 3000 euros pour une pouliche comme ça à 3000 euros vous êtes 4000, Mère Chichi Castenango, 3500, à 3500 bien sûr les filles, 3500, à 4000 maintenant, à 4000 euros c'est bien vu, 4000, allez-y, 4500 si vous voulez, à 4000 euros, regardez l'épaule comme elle se déplace, bonne tête, bien dans sa tête, 4000 euros seulement, à 4000 euros c'est bien vu Marion, c'est votre enchère, à 4000 euros les premiers yearlings de Soul City, à 4000 euros seulement c'est bien vu, à 4000 euros le marteau va se lever, 5000. Marteau va se lever, mais pas retomber tout de suite parce qu'on a mis une nouvelle enchère. J'aime beaucoup cette pouliche, 4500 euros. 4500, 5000. Pouliche toute noire, jolie, jolie. C'est... Non, c'est pas un poulain, une pouliche, c'est un poulain d'ailleurs, le Soul City. C'est pour vous, réessayez 5000 à 4500 euros. Le marteau va se lever à 4500 euros. Bien vu, à 4500 euros. On la juge, Marion, votre enchère, 4500, merci. Le numéro 130 est présenté par le Hara d'Aigues-Mortes, Pluie d'Avril, Pouliche B née le 20 avril par Vertigineux et Pluie d'Honneur, fille de Baroud d'Honneur. A noter que sa sœur Pluie Blanche compte une victoire et une place supplémentaire. Donc Pluie d'Avril par Vertigineux et la mère par Baroud d'Honneur. Troisième du prix de Kervran à l'Andivisio le 12 octobre. La fille de Vertigineux ici, petite fille, donc le nombre premier, la mère Baroud d'Honneur. Beaucoup de classe cette pouliche, très fine, belle tête. La mère a produit un gagnant. J'écoute Antoine Gronfier avec intérêt parce qu'il a tout à fait raison. Et c'est une jolie pouliche qui a beaucoup de classe. Seulement le quatrième produit de la belle mère. Belle allure. Pluie d'Avril, une fille de Vertigineux, la mère par Baroud d'Honneur. Pluie Blanche, plus une victoire et une place. Des... Voilà, là, la 3 ans, Pluie Blanche a gagné depuis l'apparition du catalogue. La Carlotta Mix. 5000 euros, 5000, 3 à 3000 euros. Beaucoup de chic dans cette pouliche. Belle tête, 5000, 3 à 3000, 3000, 3000, 2000 euros. 1000 euros qui m'appelle, 1000 euros qui débute, 1000. Grand-mère a gagné groupe 2 en Italie, Storm Warning. À 2000 euros. Et la mère, Pluie d'Honneur, c'est la sœur de sa propre sœur même, de Avis de Tempête, qui fait une excellente compétitrice au niveau des quintés. 100 000 euros de gains. La pouliche bien faite, 3000 euros, j'aime, maintenant 3000 euros. À 3000 euros, c'est votre enchère, Marion de 3000 euros. Elle est présentée par le rat d'Aigues-Mortes. 3000 euros. À 3000 euros, l'enchère est à droite. 3000. Le docteur Frémio. 3000, essayez 4000 tout de suite. 4000, bien sûr. À 4000 euros. À 4000 euros. 4000, 3500. 4000. 4000 euros. À 4000 euros. 4000 euros. Ça aurait pu être vous à 4000. À 4000 euros, c'est bien vu. 500 si vous les voulez. À 4000 euros alors. À 4000 euros seulement, c'est votre enchère, Marion. 4000 euros. À 4000 euros, c'est bien vu. À 4000 euros, pas de regret. À 4000 euros, c'est là. À 4000 euros, Marion, votre enchère. 4000, essayez 5. Qui m'appelle pour 5000? À 4000 euros. Regardez la classe qu'elle a, cette pouliche. À 4000 euros seulement. À 4000 euros, la petite fille de nombre premier. C'est les premiers 200 et qui a déjà des vainqueurs Vertigineux. Et on parle de 4000 euros. À 4000 euros, Marion et votre enchère. À 4000 euros, 500. Vous allez laisser partir pour 500 euros. À 4000 euros, c'est bien vu. On a... Marion, votre enchère, 4000. À 4000 euros. Dernière fois, dernière chance. À 4000 euros. On adjuge, Marion. 4000, merci. Le numéro 131 est présenté par le Hara du Taï, Princesse Zambézi, Pouliche B née le 31 mars. Ok, bon, 4000 euros. Et Polga, fille de Polyglotte. Mère Polyglotte ici, la mère gagnant 3 victoires. Plus acheté, 64 000 euros. Heureux homme. C'est seulement le deuxième produit de la mère, famille de Bédali. Fonce de Action Shop, Silver Shop, ici la fille de Zambézi Sun. Il y a les premiers 3 ans, on voit les premiers 3 ans seulement cette année. Pouliche Catlos, belles allures, bonne sortie d'encolure, combien débutons 5. Et qui est ce monsieur avec le polo, avec le drapeau d'Angleterre? 1000 euros, qui débute les enchères, 2000 euros maintenant, 1000, la fille, la petite fille de Tanzili, 1000 euros, mère, Polygote, 2000 maintenant, 2000 euros, à 2000 euros, j'ai 2000 euros maintenant. Je ne le connais pas, mais il a acheté une jolie pouliche toujours. 2000 euros, à 2000 euros, chic pouliche, hein, bon, bien fait, 2000 euros, à 2000 euros maintenant, 500, si vous voulez 500 maintenant, 2000 euros, à 2000 euros, 2000 euros, Laura, votre enchère, 2000 euros, à 2000 euros, c'est bien vu, 2000, à 2000 euros, à 2000, et qui continue?
2000 euros. Mettez... Alors, passez Zambézi. Zambézi sonne le père à ses premiers 3 ans cette année. À 3000 euros. La mère est sœur de Bédali. Tout le monde a bien connu Bédali, hein, ce sauteur d'Alain Bonin. 3000 euros. À 3000 euros. C'est... Enfin, sauteur, disais-je. Un fils de Bédali qui a tout fait. 7 victoires en plat de 2 à 6 ans. 30 places en plat. Et 5 victoires en obstacle. Il était capable de tout, ce formidable Bédali. Et c'est la nièce de Bédali qui est ici, Zambézison, et la mère est par polyglotte. La mère a gagné 3 courses. L'enchère pour vous, Laura, de 4000 euros. À 4000 euros seulement, c'est bien vu. Seulement le deuxième de la mère, hein. À 4000 euros, bien c'est vu. C'est ça, deuxième produit de la mère. À 4000 euros pour une belle pouliche. La première Saga Princesse a une place à 3 ans. Elle a 4 ans. Mais bon, en même temps, c'est une Saga City. À 4000 euros votre enchère, Laura, pas de regret. À 4000 euros le marché. Alors on va aborder 4000 euros dans quelques numéros la fin de cette vente. Je vais retourner pour vérifier les statistiques puisque nous avons le retour de Loïc Stecher. 4000, merci. Oui, patron. Après une sieste derrière le bar, bravo. On a Zied ici, Zied Ramdan, nos amis tunisiens. Poulain B. Non, j'ai plus d'argent donc pas de passage au bar. Et Polinikova. T'as acheté trop de chevaux peut-être. A noter que sa sœur Limnoska s'est placée pour ses débuts. Quatrième du prix de la Chapelle à Longchamp le 19 octobre. Alors ce 132, il est magnifique, je le trouve magnifique. Mais bon après, côté papier, il a pas grand chose pour lui. Le fils de Herminem. Bon, en tout cas, physiquement, il est très beau. Les deux lots qui viennent de passer, la princesse Zambézi puis d'avril, c'est vraiment chouette. Maléco aussi, le 129. C'était parti à 4, 5 000 euros, ça valait le coup, ces chevaux-là. À 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. Limosca est placé depuis l'apparition du catalogue, hein, le frère. Hein. À 1000 euros, j'ai maintenant 1000 euros, 1000 euros maintenant. Oui, et une Limnos qui est placée. Une seule enchère de 1000 euros, 1000 euros. À 1000 euros. À 1000, 2000 maintenant, 2000 euros. Et sous la deuxième mer, il y a plus une victoire et deux places en plat. 3000 maintenant. À 3000 euros. À 3000 euros maintenant. 3000, 3000. À 3000 euros. 2500. Il faut aller plus vite. 2500. À 2500. Là, Alors, Urkan, donc, un fils des Réminem. Je suis japonais, pardonnez-le. Enfin, Réminem était japonais. Il avait le profil japonais. Un grand site doux comme ça, tout maigre et tout en pâte, mais rapide. Et mais par contre, au niveau des origines, rien du tout de japonais. Réminem, c'est un Danehill, la mère par Ali Sheba, la grand-mère par Nijinsky. Alors la mère est par Polinikova, par Polish Summer. 5000 euros maintenant, si vous voulez, à 5000 euros. Et la grand-mère par Nikos. 5000 euros, bien vu, 5500. Et l'arrière-grand-mère par le méconnu Nidam. Lidam, pardon. 5500 euros. 5500 pour aller à 6000. Pour aller à 6000 tout de suite. À 5500 euros, alors bien vu. Regardez le poulain. Un point sur les statistiques. Le pourcentage. Ah, on a baissé un petit peu. On a baissé un tout petit peu. 5500 euros, c'est bien vu. On a baissé un tout petit peu, mais parce qu'on était assez largement au-dessus de l'année dernière, et là, on l'est toujours. Hein. 75,7% de vendus par rapport à 61,29% l'année dernière. Donc voilà, là, il y a une très nette différence. Et le prix moyen, il était tout à l'heure de 6600, et là, on est à 6369. Par rapport à 5006 l'an dernier. Merci. Le prix médian ne change pas, 5000 euros par rapport à 4005 l'an dernier. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, eh bien on est à 509 000. On n'a pas encore tous les chiffres. Mais bon, il y a en gros à 10 numéros de la fin, on en est à 509 000 par rapport à 499 000 l'an dernier. Il s'est placé deuxième du prix des Croix à Sadoville le 21 octobre. Mais bon, l'important, c'est que la moyenne et puis le pourcentage de vendus soit en augmentation. L'année dernière, c'était une année un peu difficile, c'est vrai. Et la mère qui a deux. Alors, 5005 pour le 132, c'est vrai qu'il n'avait pas grand-chose dans le pédigré, mais c'était un joli modèle et ça l'a aidé pour être vendu. Des gagnants. Ardo Bédoué, voilà, le sensationnel Ardo Bédoué, au téléphone. Maintenant, 1000 euros qui démarre. Un homme pressé et occupé. 1000 euros, 1000 euros qui démarre, 1000 euros. Diamond Green, c'est le numéro 133. La mère, c'est Pygmalion. 1000 euros, un vrai poulain qui marche. 1000 euros. Il compte deux victoires. 1000 euros, regardez comme il se déplace. 1000, 2000 maintenant. À 2000 euros. À 2000 euros maintenant. 2000, 3, à 3. Pygmalion et non. 1000 euros. À 3000 euros. La société. Ah non, pas Pygmalion. Non, quel humour. Alors, le 133. Donc, oui, non. Ça, donc, Diamond Green et Pygmalion. Regardez le se déplacer, le fils. Double gagnante. Voilà, double gagnante qui a déjà donné naissance à deux vainqueurs. L'une par Dubaoui. Elle a eu la chance d'aller à Dubaoui. Ça a donné Plébeia qui a gagné à Bordeaux, qui est Poulignan aujourd'hui, logiquement. Et Darselect, un Bertolini qui a gagné aussi à Deauville, 1500 mètres, à Cholle de vitesse.
4000, j'ai maintenant 4000 euros, bien vu. Ah, 4000. De la famille d'un cheval qui a été un excellent concurrent à Hong Kong, Viva Macao, ex-Dilek. Et c'est la famille aussi de Diyakalani qui a été troisième du prix de Diane chez Joël Boinard. Et Joël Boinard qui entraînait son frère également, Yamindar. Ah, 5000 euros maintenant. Placé du derby de l'Ouest. Ben ouais, deuxième du derby de l'Ouest quand même. 5500 euros. Ah, 5500, c'est Sylvain, 6000, j'ai maintenant Laura. À 6000 euros. À 6000 euros, Laura, c'est votre enchère. À 6000 euros, un vrai poulain ici. À 6000 euros, frère de gagnant, 7000. À 7000 euros, maintenant, 7000. À 7000 euros pour aller à 8-8, si vous voulez. Un vrai poulain par Damon Green, donc. À 7000 euros. On voit que son arrière-main est beaucoup plus. À 8000 euros, maintenant, Sylvain, c'est. En hauteur, on va dire que. À 9000. Que son carreau, il va encore beaucoup grandir, ce poulain. À 9000 euros. À 9000 euros, c'est 9000 euros l'enchère. À 9000 euros, Sylvain. À 9000 euros, 10, si vous voulez. À 9000 euros. À 9000 euros, votre enchère, Sylvain. À 10 maintenant. Non, 9500 pour aller à 10 000, on va y aller. À 10 000, bien sûr. À 10 000 euros, je voulais laisser à 10 000 maintenant. 10 000 euros, essayez 11. À 10 000 euros, allez, 10 000 euros. Regardez le poulain comme il est fait, 10 000 euros seulement. À 10 000 euros, une vraie épaule, un vrai marcheur. À 10 000 euros, frère de gagnant. À 10 000 euros, le petit-fils de Green Desert. À 10 000 euros seulement. À 10 000 euros maintenant, 11, si vous voulez, 11 000. À 10 000 euros, c'est Sylvain, c'est votre enchère. À 10 000 euros, Laura, je vous entends plus. À 10 000 euros, c'est pas le regret nulle part alors. À 10. Qui m'appelle ? 10 500, Fresh Wheeler. 10 500 euros. À 10 500, Elisier, 11 000. À 10 500, 11 000 maintenant, 11 000. J'ai maintenant 11 000, bien vu. À 11 000 euros. À 11 000 euros maintenant, 12. Si vous voulez 12, maintenant 11 500, allez-y. À 11 500, j'ai 11 000. À 11 500, allez-y, Laura. À 11 500, Marion, je vous entends plus. À 11 000 euros, l'enchère est pour Sylvain. À 11 000 euros, c'est pas de regret. À 11 000 euros, Marion, plus vous. 11 500. À 11 500, 12 000 maintenant, à 12 000, à 12 000 euros, on y est maintenant, 12 000, bien vu, 12 000, à 12 000 euros, un vrai poulain qui est très très bien fait, avec des super tissus, à 12 000 euros, à 12 000 euros, j'ai maintenant 12 000, à 12 000 euros, frère de gagnant, à 12 000 euros, c'est pas l'erreur, à 12 000, 12 000, à 12 000 euros, alors l'enchère pour vous Sylvain, pas de regret, 12 500, c'est la même, 12 500. 12 500 euros, 13, on y revient maintenant, 13 000. À 13 000 euros, bien vu, 13 000. À 13 000 euros, l'enchère, Sylvain, c'est bien vu, des gens qui ont du goût, 13 000. Un vrai marcheur ici, à 13 000 euros. Des gens qui ont du goût. 13 000 euros, un vrai chic poulain. Oui, c'est vrai qu'il est, euros, c'est pas mal ce poulain. 13 000 euros, bien vu, pas de regret, Sylvain, c'est votre enchère. À 13 000 une robe de souris, un poil de souris plutôt. Je n'entends plus rien. À 13 000 euros, fini ici. À 13 000 euros, c'est là-bas. À 13 000 euros, essayez 500 pour l'emmener. À 13 000 euros, le marteau va se lever alors. À 13 000 euros, le fils de Damon Green. À 13 000 euros, bien vu, à 13 000 euros, on a dû, Sylvain, 13 000, merci. Le numéro 134 est présenté par l'élevage de Cassagne, appartenant à Thérèse Bush, Gentleman Walker, Poulain Green, né le 17 février par Walk in the Park et Queen Isabella, fille de... L'avant-dernier lot, déjà, de cette première journée. Des ventes ici. En direct du Lion d'Angers. Un vrai poulain. Un fils de Walking the Park. Petit fils de Monjo ici. Et la mère est Prado. Et la mère donc est une fidèle Prado. Donc un croisement, un inbreeding sur Sadler's Wells. Ici, c'est seulement le quatrième. C'est Arnaud Bedway qui a eu l'enchère tout à l'heure pour 13 000 euros. Walkshire, Red Admiral. Un poulain qui a du modèle ici. Un chic poulain. Hein, donc Arnaud Bedway qui a acheté le lot 133. 5 000 euros. Le fils de Diamond Green. Très solide. 3 kilos 3. À 3 000 euros maintenant, 3, 2, 1000, 1000, 1000 euros, allez, 1000 euros, qui débute les enchères, 2 000 euros, à 1000 euros le poulain de Wild Mill, maintenant 1000 euros. Je... Walking the Park qui fait la monte chez Mathieu Deguzangaros ou à des Granges. 1500, demandez à votre client 1500. À 1500 si je ne m'abuse, il fait la monte depuis 2 ans, c'est ça. À 1500 euros, bien vu, 1500, allez-y qui continue, 2000 si vous voulez. À 2000 euros maintenant, j'ai 2000. Et auparavant en Normandie. À 2000 euros, très très beau poulain, chipoulin, regardez le modèle, l'os qu'il a. Hein. À 2000... La grand-mère a énormément produit, c'est notamment la mère de Stratégique Prince, ce fils de Dan Silly qui avait gagné les July Stakes à 2 ans et également 3ème des Dewhurst Stakes, un groupe 1 qui est étalon désormais ce Stratégique Prince. 4000 euros, j'ai maintenant 4000. C'est également la mère de Yorkshire, ou Yorkshire plutôt. Poulain 6000 maintenant, 6000 euros si vous voulez, non ? Qui a une liste de 5 autres courses en obstacle. L'enchère est à gauche, à 6000 maintenant, à 6000 euros Marion, votre enchère, 6000 euros, bien vu, 6000 euros. À 6000 euros, un vrai cheval, 6000 euros. À 6000 euros, à 6 Fresh Biller, 7000. À 7000 maintenant, 7000 euros, un vrai chic poulain, 7000 euros. À 7000 euros, bien vu, 7000 euros. À 7000 euros, bien vu, oui, maintenant, 8000 euros. À 8000 euros, un chic poulain, regardez la.
l'épaule qu'il a. À 8000 euros, sortie d'encolure. À 8000 euros. À 8000 euros maintenant, 9 si vous le voulez. À 8000 euros, 8000 euros, 8000 euros. C'est Marion, votre enchère. À 8-9 000 euros pour vous, goûtez-vous 8000. Un grand cheval, hein, ce 134. 8000 euros pour vous, goûtez-vous 9, sorry. Qui est assez tôt dans la saison, le 17 février. À 10 000 euros maintenant, 12 si vous le voulez. À 10 000 euros. À 10 000 euros, le fils de Walk in the Park. 10 000 euros, Merel Prado. 12 maintenant, 12 000. À 12 000. 12 000 euros. À 12 000 euros, 12 000 euros, 12 000 euros, 12, 14 si vous le voulez. À 12 000 euros. À 12 000 euros, si vous voulez, 14, 12 000, 12 000 euros, Marion, votre enchère. À 14 000, French Miller, 14 000. À 14 000 euros maintenant. À 14 000 euros pour aller 15, 15, si vous voulez, 15 maintenant. Et il y a encore beaucoup de monde hein, pour le passage de l'avant-dernier lot. Un vrai poulain, 15 000 euros. À 15 000 euros, qui m'appelle 18, si vous le voulez. À 18 000 maintenant, 18 000. À 16 000, 16 000. À 16 000 euros. À 16 000 euros, si vous voulez, 18 maintenant. À 18 000, 18 000 euros. À 18 000 euros, 18 000 euros, 19 pour aller à 20. À 18 000 euros pour aller à 20 000 tourons, 20 000. 20 000 G maintenant, 20 000 euros. À 20 000 euros. 20 000 euros. C'est la France Tire Mobile qu'on a vu. C'est garé dehors. À 20 000 euros maintenant, 22 si vous les voulez. Et juste à côté de la sortie. À 20 000 euros, Marion, c'est votre enchère. À 20 000 euros, un chipoulin. Regardez la force qu'il a. À 20 000 euros seulement, le fil de Walk in the Park, 20 000. À 20 000 euros, un vrai poulain de course. À 20 000 euros, un vrai poulain d'obstacle, 20 000. À 20 000 euros. 20 000 euros désormais, c'est parti du top 4, voire 3 déjà. À 20 000 euros, c'est bien vu. De cette vente. À 20 000 euros, c'est Marion, votre enchère, pas d'erreur. À 20 000 euros, Marteau va se lever plus vous en face, ni à gauche. À 20 000 euros l'enchère là-bas, pas de regret. À 20 000 euros, pas de regret dans la salle. À 20 000 euros, Marion, votre enchère. À 20 000 euros, bien vu. On va juger. On la juge, Marion, 20 000 euros, merci. Alors, à 20 000 euros, qui a acheté ce fils de Walking the Park, le neveu de Strategic Prince, un étalon. Place to be, Pouliche Bay, né le 24 février par Lou Breton et Queensburg, fille de Dubai Destination. A noter que sa sœur Laughing Out Loud compte une victoire et une place supplémentaire. Elle a remporté le prix de Vineuil à Chantilly le 31 octobre et s'est placée troisième du prix des Pyrénées à Tarbes. The last! Cette pouliche. 20 000 euros quand même pour le 134. On finit sur une bonne note, hein. Ça va faire remonter les stats, ça. Gentleman Walker, un fils de Walking the Park. Bon, 20 000 euros. Qui a acheté? Quand je dors, la famille Lys, Jason. Qui a acheté? Très bon. C'est parti. C'est parti de l'autre côté. Attends, on bouge pas, j'y vais. Tous les étages, la mer produit un vainqueur déjà. Mer par Dubaï Destination. Combien débutons? 3, 3, 2, 1000, 1000, 1000 euros. Qui débute 1000? 1000 euros. À 1000 euros. The last one. Déjà 1000 euros bien. Place to be. 2000 maintenant, 2000 euros. À 2000 euros. Cette femelle de Lou Breton s'appelle ainsi. Elle nous est présentée par HSV Agency à Rade Saint-Vincent. Elle appartient au Haras de Plaisance. 3500. Cette pouliche donc. 2500. Qui est le 2500 euros. 24 février. Avec une mère par Dubai Destination et une grand-mère par Chris. Vous êtes où vous? C'était laquelle? Ok. La mère n'est pas gagnante, mais elle a produit un gagnant. Fils d'Archange d'Or. 3500 euros. À 3500. Et la mère est une fille, est une sœur de Paris Wind. Bien vu, 5000. Apparemment, c'était un rachat, malheureusement. Maintenant, 5000 euros. À 5000 euros, bien vu, 5000 euros. Allez, la petite fille d'Anna Bas, 5000. C'est gonflé quand même, parce qu'à 20 000 euros, à Walking the Park. Oui. C'est pour vous, Marion, l'enchère. À 6000 euros. À 6000 euros, chic, pouliche, cas du cadre. Place to be. Ah, bah, comme la vie est bien faite. The place to be, c'était le slogan de la publicité choisie par Rosarus. Le lieu d'Angers, the place to be. Et nous finissons par. Et voilà, le danger, c'est ici, c'est avec nous, et c'est Place to Be qui est en train d'être vendu. Cette fille de Lou Breton et Queensburg, part de My Destination. Petite fille de Lil Jesse, gagnant des Nelwyn Stakes. Famille de Paris Wind, de Lone Beat, de Lobbyist, on les a connus, ceux-là chez Carlos Lafont Parias. The Place to Be, c'est le danger, c'est ici. 9000 euros. Et c'est pas fini. Je pensais qu'il allait faire tomber le marteau juste à la fin de ma phrase. Non, c'est pas fini, ça repart. À 10 000 euros, la fille de Lou Breton, 10 000, 10 000 euros, bien vu. À 10 000 euros. 10 000 euros, alors je vais juste avant la fin jeter un petit coup d'œil sur les statistiques. Si vous voulez, pour faire un pas, à 10 000 euros. À 9 500 alors. À 9 500 pour l'emmener à 10 000. 10 000, j'ai 10 000, bien vu, Guy, bien vu. 10 000 euros. À 10 000 euros, j'ai maintenant 10 000 euros, 10 000 euros, on va essayer 11 000. 1000 euros. 10 000 euros, j'ai avec Guy Lange. Oui, alors 75,23% de vendus et une moyenne, un prix moyen de 6 340 euros. On est toujours avec une médiane de 5 000 euros. Marion, je vous entends plus. 11 000. Mais ça, c'était avant le. Bon, malheureusement, le rachat de 20 000. Bon, il est racheté, donc il rentrera pendant les chiffres, évidemment. 100 euros. Mais en tout cas, on va avoir ce lot de 135 à 10 500 euros. Mais c'est peut-être pas terminé. 500 euros. Alors, bien vu, pas d'erreur. À 11 000. Ah, c'est pas terminé. 11 000 euros. Pour Place to Be.
Ça, c'est un beau nom, ça. À 11 000, allez-y, Marion, on va être un dernier effort à 500 €, vous allez laisser partir. À 11 000 € l'enchère, c'est pour qui l'enchère? À 11 000 €, c'est bien vu pour la belle pouliche de Le Breton. À 11 000 €, pas de regret nulle part, c'est bien là. À 11 000 €, Marion, terminé, regardez-moi. À 11 000 €. Une vente à durée humaine, hein. 5 heures de vente. À 11 000 €, dernière fois. C'est bien, 5 heures de vente. 11 000 €, le marteau peut donc se lever. À 11 000 €, bien vu. À 11 000 €. Bon, l'année dernière, il y avait un chiffre d'enfer un petit peu plus gros. Par contre, il y avait beaucoup plus de yearling présenté, 155. 11 000 €. Alors que là, il y en a 135. Et en fait, on avait considéré 113 chevaux. Dans la statistique, oui, nous regardons la caméra, elle est là. Mais nous jetons un œil sur les dernières statistiques pour vous dire que actuellement, n'ayant pas encore pris en compte, il est grand lui, dis donc, celui qui est à côté de moi là, n'ayant pas encore pris en compte les derniers lots, donc nous avons un pourcentage de vendu de 75,45% et un prix moyen de 6 329 € et une médiane de 5 000 € dans des chiffres qui sont dans le vert par rapport à ceux de l'an dernier. On va se quitter. Mais on va pas aller chez déjà. Hervé, notre partenaire santé. Mais il y a d'autres endroits. Chez Juste à côté, il y a une soirée pot-au-feu à côté. Et après, l'after, c'est chez Michael à la cantine de Château-Gontier. On se retrouve demain à quelle heure? À 12h, à midi. Pour la vente mixte, avec des poulinières, des foals, mais également des stores et des chevaux d'obstacles. On vous souhaite bien le bonsoir et à demain. Messieurs, au revoir.